Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle semaine de vidéo. On est reparti pour une semaine principalement créative. Je vous remercie d'être encore là si vous êtes des habitués. Et puis si vous êtes de passage sur la chaîne, et bah, soyez bienvenue dans mon univers divers et varié, principalement centré sur le tricot en ce moment, mais sachez que c'est pas nécessairement toujours entièrement le cas. Cette semaine, je pense qu'on va parler essentiellement tricot. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur un commentaire que j'ai reçu sous ma dernière vidéo, qui est sorti hier, puisque je ne vous ai pas dit, nous sommes lundi. Lundi combien ? Attendez. Lundi 6 mars, déjà. Oh là là, c'est le 6 mars. C'est le mois de mon anniversaire, ce qui ne m'enchante pas spécialement des masses. Et où sont passés janvier-février? On ne sait pas, dans les méandres du temps qui passe et dont on se rend compte de rien. Que dis-je? Oui, j'ai reçu un message hier, un commentaire sous ma vidéo qui n'était pas méchant, je pense, vraiment, mais qui a été dit avec absolument aucun tact. Et je pense que dans la vraie vie, jamais on parlerait comme ça à quelqu'un, en fait. Mais bon. Voilà, la personne, je pense que c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, je pense son pseudo me dit bien quelque chose, à savoir que je suis sur YouTube depuis, il me semble, ça fera 9 ans cet été, donc c'est énorme. À la base, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, comme je vous ai déjà expliqué, pour parler des soins des cheveux au naturel, comment prendre soin de ses cheveux, comment les faire pousser plus vite, comment avoir de beaux cheveux naturellement. Voilà, décryptage de composition cosmétique, etc., les produits toxiques, etc. Peu à peu, ça s'est ouvert un peu plus à toute la cosmétique green, pas que les cheveux. Puis ça s'est ouvert un peu à tout le mode de vie plus écolo. Puis ça s'est ouvert un peu sur du lifestyle, alimentation, machin, en restant toujours quand même centré cheveux et cosmétiques green. Puis il y a 2 ans, ça s'est ouvert sur le créatif aussi, donc c'était assez varié parce que ça suit aussi mes envies, ce que je suis, ce que je fais et ce dont j'ai envie de parler sur le moment. Et il y a un peu moins d'1 an, je dirais, j'ai senti un peu comme une fracture, non, c'est pas le mot, une lassitude peut-être, à savoir que après avoir parlé pendant 7 ans et demi de cheveux au naturel, de cosmétiques naturels, d'astuces naturelles, je me suis demandé un peu ce que je pouvais encore apporter sur ce sujet-là, parce que j'avais l'impression d'avoir de parler de tout 1000 fois et de rabâcher continuellement la même chose, d'autant plus que ces 3-4 dernières années sur les réseaux sociaux, c'est un créneau qui est devenu ultra comment dire ? J'ai perdu le mot, ça y est. Ultra chargé, ultra ça va revenir. Ouh, c'est dur aujourd'hui. Ultra bouché, ultra engorgé. Je sais pas si c'était ça le mot que je cherchais, mais voilà, c'est un créneau qui est devenu blindé, quoi. Il y a 1000 nanas qui parlent de cheveux naturels sur YouTube. Alors les cheveux bouclés, n'en parlons pas, voilà. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment très intéressant que je continue non seulement à répéter la même chose que je dis depuis 7 ans, et en plus à répéter la même chose que tout le monde? Est-ce que c'est pas un peu contre-productif et redondant et inintéressant, quoi? Et puis, il y a aussi le fait que, voilà, dans les débuts du naturel, j'étais hyper enthousiaste, je parlais de 1000 trucs, je testais 1000 trucs, j'ai acheté 72 000 produits, j'en ai encore plein chez moi des produits. Peu à peu, j'ai eu moins cet engouement de la nouveauté et tout ça, même si ça m'intéresse toujours, je fais toujours extrêmement attention aux compositions des produits que j'achète, ça me passionne d'en parler quand on me pose des questions, qu'est-ce que tu penses de tel produit, et machin, et pour mes cheveux, ceci, cela, y a pas de... ça me passionne toujours. Mais c'est vrai que, genre mes journaux de pouce, j'ai arrêté de les faire depuis quelques mois parce que je me rends bien compte que c'est tout le temps la même chose. D'autant plus que depuis 1 an environ, avec voilà des complications personnelles, plus cette pseudo-lassitude-là, je suis tombée un peu dans une routine minimale. C'est-à-dire que pour mes cheveux, je fais plus ou moins toujours la même chose. Alors j'en prends soin tout le temps, mais qu'est-ce que je vais vous raconter que... je les lave 2 fois par semaine, qu'en général je fais un bain d'huile, un masque aux poudres, ça fait genre 6 ans que je fais ça. Pas toujours,
parce que des fois, voilà, ça change, que je dors sur une tête d'oreiller en soie et que je fais des coiffures protectrices parce que je vous ai expliqué ça un milliard de fois, que les frottements, que le vent, que machin, que je mets toujours des soins sans rinçage et des huiles sèches quasi quotidiennement parce que besoin de protéger les cheveux, nanana. Alors oui, je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui débarquent dans le monde du naturel qui ont besoin d'entendre ça. Mais moi, je ne vois pas ce que j'ai, je ne vois pas ce que j'ai à apporter dans, encore là-dedans. Même si ça m'intéresse toujours, j'ai plus cet engouement pédagogique aussi. Là, je suis arrivée à un stade où, bah, où limite quand on me pose une question, alors très vague, genre coucou, je viens de débarquer dans le naturel, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de dire, oh, bah regarde toutes les vidéos de ma chaîne, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a des réponses partout sur ma chaîne et partout sur mon compte Insta en fait, et que j'ai déjà parlé de quasiment tout. Et quand je regarde ce que font les nanas sur qui parlent de cheveux sur Insta, bah, j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose, tout le monde dit la même chose, tout le monde répète la même chose, tout le monde fait les mêmes trends dans Reels, et pff, bah c'est un petit peu rébarbatif, quoi, tout ça. Et en plus, pour le reste des cosmétiques, j'ai jamais été très, voilà, vous savez que le maquillage et moi, ça a jamais été une grande passion. Même si j'aime bien ça un tout petit peu, voilà, je me maquille très peu. Pour ce qui est des soins visage et corps, j'ai jamais non plus fait mille trucs. Et là, je suis encore plus dans le minimalisme, c'est-à-dire que en ce moment, enfin depuis des mois, le corps, hormis un savon, voilà, pour mon corps, je n'utilise rien, un savon, c'est tout. Et pour mon visage, bah, je suis toujours sur les mêmes produits qui me durent hyper longtemps, dont je vous parle de temps en temps, mais je vais pas vous redire toutes les semaines que j'utilise telle crème et telle huile, alors qu'elles vont me durer 2 mois, quoi. Ou 3 mois même. Là, je crois que le pot de crème que j'ai, ça fait des mois que je l'ai, je l'utilise tous les jours et il est toujours pas fini. Donc c'est vrai que bah, j'ai beaucoup moins de trucs à dire dans le domaine naturel, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire mes vlogs classiques comme je les faisais avant, parce que je n'ai rien à dire. Ou alors je sortirai un vlog par trimestre, tellement j'ai rien à dire. C'est pour ça que j'ai décidé de réunir mes deux passions, à savoir le naturel, l'écologie et le créatif, à savoir que j'aime aussi parler un peu de tous les sujets random, y compris de santé mentale, mais ça je dis pas que c'est pas un axe de ma chaîne, parce que je suis pas professionnelle de santé, et c'est surtout du spontané. Et donc bah, j'ai réuni les deux, et quand j'ai des trucs à dire au niveau naturel, je le dis. Et quand j'ai rien à dire, je dis rien. C'est vrai que je pourrais vous parler de temps en temps de mes routines, je le fais pas, mais je pourrais le faire. J'ai prévu de vous filmer une vidéo produit terminé bientôt, parce que j'en ai accumulé pas mal ces derniers mois, et là ce sera du coup une vidéo 100% cosmétique, naturelle, et je vous donnerai mon avis sur les compositions des produits, sur les produits, etc. Donc voilà, ça pourra contenter les naturalistas. J'achète beaucoup moins de produits, donc beaucoup moins d'unboxing. Comme je ne produis plus de contenu beauté sur Insta, bah, je ne reçois plus de produits de la part des marques. Forcément, c'est logique. Donc je n'ai plus rien à vous présenter. Les nouveautés, je les reçois pas. Je les achète pas non plus. Donc c'est vrai que c'est assez restreint. Et du coup, le commentaire que j'ai reçu hier, c'était quelque chose comme « Non mais tu vas parler que de tricot maintenant ?» Bah je m'en vais. Hein. Est-ce que vous rentrez dans une boutique de fringues et que vous lui dites « Non mais ta collection d'été, ça va être que ça ?» Bah elle est trop moche, hein, je me casse. Non, personne fait ça. Bref, je pense que la personne était juste déçue de voir qu'il y a beaucoup de tricots. Pourtant, j'avais expliqué dans mon premier vlog version 2.0 que j'allais y aller à l'instinct maintenant. J'en ai marre de me censurer, j'en ai marre de me sentir obligée. Si j'ai envie de parler que de tricot, je parle que de tricot. Si j'ai envie de faire un laïus là de 10 minutes sur le pourquoi du comment, je le fais. Et si j'ai envie de vous présenter des produits naturels, etc., bah, je le ferai. Aussi, voilà. Donc, je pense sincèrement que cette semaine, peut-être que je vous présenterai des... J'en sais rien, en fait, ça va au feeling. Il y a aussi des semaines où je suis fatiguée et où bah, se poser dans le canapé pour baratiner tricot, c'est le seul truc que j'ai l'énergie de faire. Et donc, il n'y a pas de plan en dehors de ça, ou dans ma salle de bain, la routine, machin, truc. Et puis, il y a aussi le fait qu'en ce moment, il fait froid. Et vous savez que moi... Pour des choix personnels, je chauffe peu chez moi. En ce moment, dans ma salle de bain, il fait à peu près 15 degrés. Clairement, j'ai pas envie d'y rester 1000 ans une fois que je suis sortie de la douche pour m'étaler de la crème, pour me poser des masques, des machins. J'y vais, je prends ma douche, je sors, je m'habille et basta. Voilà. Mais après, c'est un choix personnel aussi. Hein. Et oui, ce matin, quand j'ai fait ma routine cheveux, ou hier, j'ai fait ma routine cheveux, j'ai fait un bain d'huile, j'aurais pu vous montrer.
J'aurais pu, et je l'ai pas fait parce que faut sortir la caméra et nanani nanana. Mais ça veut pas dire que je ne parlerai plus jamais de naturel, pas du tout. C'est un sujet qui me passionne toujours. Quand je vois des gens qui achètent certains produits cosmétiques, j'ai envie de leur dire « Ah, mais tu te rends pas compte de ce qu'il y a dedans, n'achète pas ça, s'il te plaît !» Voilà, c'est hyper important au niveau de l'environnement, au niveau de la santé publique. C'est hyper important. Moi, sur Insta, je suis toujours énormément de compte du côté green de la... du côté green de la force, parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que moi, j'ai le sentiment, là, un peu, d'avoir fait le tour. Donc, j'ai décidé d'en parler quand j'en ai envie, de manière spontanée, quand ça me vient. Là, j'attends même pas de commande... ou quoi, donc j'ai rien à vous montrer. J'ai même arrêté mon abonnement chez Casidomi parce qu'il était fini et que je me rendais compte que j'avais pas assez de besoins en ce moment pour renouveler l'abonnement. C'était pas rentable, j'avais pas assez de commandes à faire. Donc voilà. Bon, bref, un laïus de 11 minutes pour tout ça, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de rester. Si mon contenu ne vous plaît pas, mais partez, mais ne me le dites pas, j'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas besoin de le savoir, vraiment. Hormis vous, ça vous décharge de votre frustration, mais moi ça me fait pas du bien, donc je n'ai pas besoin de le savoir. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Et si mon format hybride, en ce moment axé majoritairement créatif, vous plaît, ben vous restez, vous êtes bienvenus. Et si vous voulez regarder que les vidéos produits terminés ou autres, vous pouvez aussi. Et de toute façon, j'ai modifié ma miniature là pour le dernier format de vlog qui est sorti hier. Et j'essaye de mettre dedans un peu les mots-clés de quoi ça va parler. Si vous voyez qu'il n'y a pas de mots-clés cheveux, je sais pas quoi, c'est qu'il n'y a probablement pas de contenu ou très peu naturalista, bah vous regardez pas. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ne vous faites pas du mal en regardant des contenus qui ne vous intéressent pas. Il y a assez de contenu sur la toile pour que chacun trouve son bonheur quelque part. Bref, merci tout de même à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires fort sympathiques auxquels je n'ai toujours pas répondu. Je sais. Et j'étais venue aujourd'hui principalement... Alors déjà, je vais vous dire ce que je porte, parce que je vous ai pas dit. Je l'ai mis un peu n'importe comment, mais en fait, j'avais froid aux épaules principalement. C'est mon plumpy. Voilà, il est assez grand pour être porté... j'ai mis la pointe ici. Une pointe ici pour être portée sur les épaules. Et j'avais froid aux épaules et ça me fait du bien. Donc, je suis venue vous parler aujourd'hui, comme on est lundi, de mon objectif créatif de la semaine. Que j'espère est... atteignable. Je pense que oui. Va falloir... Oui, je pense que oui. J'ai pas mal tricoté hier, vous allez voir. Il y a surtout un projet, deux, qui ont pas mal avancé. Donc, je vous parlerai de la couverture en dernier parce qu'elle va être soumise à condition. Ça sent mauvais pour elle. Premier truc, c'est mon gilet bourgeon d'avril. Est-ce que j'ai touché à la bande d'encolure depuis que je vous l'ai montré samedi ? Dans la clôture du vlog, je ne crois pas. Je crois que je n'ai absolument rien avancé dans cette encolure bande de boutonnage en jersey double. Donc mon objectif là, c'est de compter toutes les mailles qu'il me reste et de diviser en 6. Je sais pas, je vais voir combien il y en a. Pour me forcer à faire un certain nombre de mailles chaque jour. Voilà. Me dirais, tu réfléchis pas, tu fais ce nombre de mailles là aujourd'hui, et c'est tout pour que... Ouais, j'aimerais bien que samedi prochain ce soit fini. Voilà, et le gilet sera entièrement terminé, et mon Dieu, il sera temps. Qu'est-ce que tu veux, Perle ? Attendez. Viens, si tu veux. Oh, petit chat. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment me forcer à faire, parce que sinon je la ferai jamais, cette encolure en jersey double. Ensuite, il y a le... pull en jacquard, fais pas ci, fais pas ça, que je teste pour même les anges tricotes. Je vous avais montré que j'avais fini le jacquard la dernière fois et que j'étais... j'étais où ? J'étais dans la bande de jersey en dessous, le jacquard. Et là, bah, j'ai fini le nombre de centimètres de jersey que je devais faire. J'ai fait les rangs raccourcis que je devais faire. Alors c'est la première fois que je fais des rangs raccourcis si bas. Sur un pull, du coup ça va pas m'aider à reconnaître le devant du dos, il va falloir absolument que je mette un truc, un petit fil, un truc. Une étiquette non, parce que ça va être insupportable, mais un petit truc. Et j'ai séparé le corps et les manches, et là bah, je suis dans le corps, donc voilà. Bon vous verrez pas parce que mon câble est petit toujours, je tricote toujours sur des petits câbles, mais voilà. Donc ça c'est le devant, j'ai un peu de corps là-dessus. Ça c'est le derrière, on voit que c'est plus long parce qu'il y a des rangs raccourcis.
J'ai séparé le corps et les manches, et j'ai un centimètre, un gros centimètre sous les emmanchures. J'ai un gros centimètre sous les emmanchures. Ça, c'est quoi? C'est le dos? C'est le devant? Oh là là. À chaque fois, je suis obligée de regarder le nombre de centimètres, mais bientôt, ça sera plus assez significatif, la différence, pour que je me rende compte. Voilà, je crois que c'est comme ça. Donc, il est très beau. J'aime beaucoup. Je vous ai dit, je crois, la dernière fois, que c'était pour fin mars. Non, c'est pour mi-avril, il me semble. C'est... Voilà. Et donc, bah, j'ai entamé, il me semble, une troisième pelote de Nord. Je crois que c'est ma troisième pelote que j'ai entamée, là. Et mon objectif cette semaine, c'est de finir cette pelote. J'aimerais bien... Là, on est lundi, j'ai pas encore tricoté dessus. Ce soir, je pense que je vais... Enfin, tout à l'heure, là, devant la télé, en rond. J'aimerais bien, quand, mercredi, finir cette pelote, jeudi, maxi... Et après, commencer une manche, voilà, et de faire au plus possible une manche. Je sais pas combien de centimètres de corps je vais faire avec une pelote. On verra, ce sera la surprise, je n'en sais rien. Donc, ouais, je suis passée la moitié de la semaine, peut-être un peu moins, à finir cette pelote, parce qu'il y a quand même 170 mètres. 170 mètres, moi, je tricote pas ça en un jour. Hein. Et après, monter une manche et faire une manche, et voilà. Et la semaine prochaine, j'aimerais bien faire une deuxième manche. Et la semaine d'après, finir le corps. Mais je sais pas trop s'il va pas falloir encore une semaine de plus, parce que c'est un peu ambitieux tout de même. Mais je l'aime bien. Et le troisième objectif de la semaine, c'est sur mon RISP, le gilet que je teste pour Lucienne Tricote, que je tricote en Friends Wool de chez Hobby, qui est une laine que j'aime vraiment bien tricoter, qui est une déca bien dodue. C'est agréable. Je pense que ça pourrait tout à fait convenir pour des projets worsted aussi. Et donc je vous avais montré la dernière fois, je crois que j'avais cette rayure. C'est un gilet, rappelez-vous, avec des rangs de rayures très fines de couleurs différentes. Enfin, on peut hein, faire des couleurs différentes ou pas. Et il me semble que j'avais cette rayure, un truc comme ça, non, la dernière fois que je vous l'ai montré, je sais plus. Enfin bref, où je venais tout juste de séparer le corps et les manches peut-être. Oui, c'est ça, et du coup je devais pas avoir la troisième couleur. Donc là, j'ai intégré... Hier, j'ai beaucoup tricoté sur celui-là. J'ai intégré la troisième couleur de rose, qui est le coloris 52. Et bah, je suis sur le corps, du coup, puisque je vous l'avais déjà montré. Il me semble que j'avais déjà séparé le corps et les manches quand je vous l'ai montré. J'en suis là. Donc, bah, ça avance sur cette couleur. J'ai déjà deux rayures dans cette couleur-là. J'ai déjà deux rayures. Attendez, si je vous montre le dos, ce sera vachement plus facile. J'ai déjà deux rayures dans cette couleur-là, et mon objectif de cette semaine, c'est d'avancer le plus possible sur le corps, voire même peut-être de le terminer. Voilà, ce serait cool d'avancer ouais, le plus possible sur le corps, et peut-être finir le corps, et comme ça, après, il me restera les manches, et lui, je crois que la deadline du test, c'est fin mars, c'est lui qui doit être pour fin mars, peut-être. Voilà, ma chaussette fil d'or, pour l'instant, elle dort. J'attends vraiment d'avoir bien avancé sur ces trois projets-là pour reprendre un peu les chaussettes, les cadeaux, tout ça. Et la couverture qui est donc soumise à condition, qui est que bah, je me suis dit que j'allais me booster sur finir la bande d'encolure, finir le corps du RISP, finir ma pelote de nord et commencer la manche. Et si vraiment bah, j'ai bien avancé sur tout ça, je me ferai de la couverture. Ce qui veut dire qu'il y a une chance sur deux pour que je ne touche pas à la couverture cette semaine. Voilà, mais je voudrais vraiment avancer mes tests pour pas prendre de retard tout ça. D'autant plus que vous savez que j'en ai un autre, mais qui est pour plus loin et que c'est un top, donc ça va prendre moins de temps. Voilà. Voilà pour les objectifs créatifs de la semaine, de quoi faire. Deux gilets, de la fingering, de la déca. C'est cool, moi j'aime bien. Et voilà. Bon allez, je vais pas délayer plus longtemps, je n'ai rien d'autre à dire et ça fait déjà 19 minutes que je parle. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle semaine créative et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est mardi. Je porte Spunk Jaer de Lucienne Tricote, que j'ai tricoté en coton mérino de chez Mayflower. J'aime beaucoup le coton mérino. Faut vraiment que je me fasse plus de projets en coton mérino parce que c'est vraiment une fibre que j'aime bien porter. C'est un pull que j'aime beaucoup, à cela près que je trouve que moi j'ai trop de matière.
ici que ça fait un, ça a tendance, ça peut avoir tendance à faire des plis. En fait, je sais pas si vous voyez, mais mon aisselle, elle est là et j'ai quand même de la matière. C'est pas très grave, mais je tire un peu, vous voyez, ça se règle. Mais pour un pull assez près du corps, voilà, j'aurais peut-être pu avoir un tout petit peu moins de... Un tout petit peu moins de désen... Enfin, vous voyez, je fais ça, c'est pas très... Pas très élégant, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Enfin, si, ça... Du coup, maintenant, je vois que ça, mais je peux pas faire ça, à chaque fois, ça fait moche. Je vais ouvrir la porte à perles qui veut sortir et qui me le fait comprendre, et j'arrive. Allez, va. Me revoilà. Donc, je venais vous montrer des trucs. Je me suis maquillée pour vous filmer deux vidéos aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps là, qu'il ne fait pas nuit et que j'ai la motive surtout. Donc, on est parti et j'ai mis aujourd'hui pour la première fois le crayon de chez All Tigers dont je vous avais parlé dans un vlog il y a quelques temps, qui est ce rouge un peu irisé. Je crois qu'ils appellent ça corail, mais non, c'est pas corail, hein, c'est vraiment rouge. Il n'y a pas le nom, je sais pas comment ils l'appellent. Ah si, corail, ils appellent ça corail, moi je trouve, j'appelle pas ça corail, j'appelle ça plutôt rouge. J'aime bien, parce que c'est irisé, et je trouve ça très joli. Par contre, je ne suis pas convaincue du tout que ce soit une couleur qui m'aille. Voilà ce que ça donne. C'est assorti à mon pull, c'est pour ça que je l'ai mise. Mais je pense que c'est pas nécessairement une couleur qui me va, c'est une couleur qui peut faire ressortir les rougeurs du visage, et je sais pas si c'est très flatteur. Par contre, All Tiger, c'est une très bonne marque, il était ultra agréable à appliquer, j'ai beaucoup aimé. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme souvent si j'oublie pas et que je n'ai pas la flemme. Et sur mes cheveux, j'ai encore appliqué le sérum SOS Frizzotti de chez Aquilia. Je vous en ai déjà parlé, et je l'adore, et je vous le recommande encore une fois, c'est vraiment un des meilleurs sérums sans rinçage pour les cheveux que je connaisse. Je vous ai dit que j'en avais racheté quand ils ont fait leur promo d'anniversaire. Malheureusement, je n'ai pas mes flacons. Enfin, je vais les avoir. C'est juste que j'avais fait livrer chez mes parents parce que je pensais que ça allait arriver la semaine où je serais chez eux. Sauf que c'est arrivé deux jours plus tard après que je sois partie. Donc, j'ai racheté des flacons. Ils sont chez eux. C'est pas grave. Je les aurai la prochaine fois qu'on se verra. Il a bien avancé hein, parce que je l'utilise quasiment tous les jours et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un sérum. Je vous recommande à 1000%. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait une commande chez Amazon. Oui, je vous ai dit il y a deux jours que je n'avais rien acheté. J'avais oublié, c'est faux. J'ai l'impression d'avoir très chaud et d'être rouge. J'ai fait une commande chez Amazon. C'est assez rare parce que vous savez qu'Amazon, c'est pas une de mes boutiques préférées. Alors, ça a l'avantage d'être du bio et de la cosmétique green, clean. Petit budget adapté à ouvert à beaucoup de bourses et ils ont énormément de choix aussi. Il y a des choses que j'apprécie chez eux, notamment la disponibilité des contenants, des produits ménagers, etc. Après, il faut savoir qu'on n'est pas non plus sur des produits ultra qualitatifs. Bah forcément, hein, quand c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs, on peut se poser des questions. Et parfois, c'est pas non plus ultra ultra éthique les sourçages des choses. Voilà. J'ai pas trop de détails, j'ai pas non plus envie de les démonter parce que j'ai été la première à commander chez eux, parce qu'on trouve 1000 trucs et que c'est trop bien. Et là, j'ai acheté des choses dont j'avais besoin. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, que j'avais envie de tester. Et je vous montre ça, donc, ma commande. Oh là là, c'est... Non mais ça c'est vous à l'échec de faire ça, Manu. Tu le sais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc je vous en parle en détail tout de suite. L'objet principal de ma commande, c'était de racheter du macérat d'arnica, puisque vous le savez, j'ai des douleurs dorsales assez prononcées par période, et depuis novembre, c'est par intermittence dans le bas du dos, et je me masse généralement au moins une fois par jour cette zone-là, avec du macérat d'arnica, puisque l'arnica, c'est pas une... plante en tant que telle. L'arnica, c'est le... Ça se fait forcément macérer dans une base huileuse. Je pense que ça doit être du tournesol ou quelque chose comme ça. C'est souvent du tournesol. L'arnica est connue pour les bleus, apaiser les muscles, tout ça, soulager les douleurs musculaires, articulaires, mais ils disent pas... Voilà.
Huile de tournesol. Fleur d'arnica et huile de tournesol, c'est souvent, c'est souvent dans l'huile de tournesol qu'on fait macérer les fleurs parce que c'est une huile qui n'est pas chère. Jusqu'à présent, j'utilisais une huile de chez Velleda qui est très très bien, qui est beaucoup plus chère au niveau du rapport qualité-prix. Je voulais essayer celle-ci, voir si elle est aussi efficace. C'est quoi? C'est pas de l'huile qui est tombée? Non. L'huile Velleda est très efficace. Je pense qu'elle est assez concentrée, elle est assez chère, mais Velleda c'est une très bonne marque que je vous recommande. Je voulais voir si cette huile de chez Aromazon était aussi efficace que l'huile Velleda. Elle est sans doute pas aussi concentrée vu son prix. Mais bon, je vais essayer. Et avec ça, j'avais déjà utilisé ces huiles essentielles qui sont le trio d'huiles essentielles Confort, Muscles et Articulation Bio. Donc c'est de l'eucalyptus citronné, de la Golterie odorante et du baume de copoaou. Alors, chez Aromazon, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont souvent des produits qui viennent du bout du monde pour attirer le client, qui sont pas nécessairement nécessaires, justement. Alors là, on a encore Perle qui défonce son carton dans le dos. Bref, j'avais déjà acheté ce pack-là, justement, pour mes maux de dos, et ce que je faisais, c'est que je mettais un peu d'huile d'arnica dans ma main, enfin, de macérat d'arnica, et je mettais une goutte d'huile essentielle de chacune des trois, je frictionnais, et je venais masser mon dos. Et j'en ai presque plus, donc j'ai racheté un trio d'huile parce que je trouve que c'est efficace sur moi, du moins ça me fait du bien. Et du coup j'ai acheté aussi un flaconnage, j'aime bien les flaconnages de chez Aromazon parce qu'ils sont pratiques et que je ne sais pas où en trouver. Oh, c'est frais, moi j'ai chaud aux joues là. Et j'ai pris un flacon en alu parce que déjà je préfère l'alu au plastique et parce que surtout il est non translucide et donc bah, ça va préserver mon huile et mes huiles essentielles de la lumière. J'ai pris le flacon, l'embout spécial huile, du coup pas le spray. Il y a le machin fourni avec là, le capuchon. Et je vais me faire un mélange de macérat d'arnica et d'huiles essentielles directement à l'intérieur plutôt que de faire dans ma main parce que c'était pas hyper pratique. Pour la quantité d'huile essentielle, attention, ne faites pas n'importe quoi. Je vais regarder moi sur les fiches des huiles, dosages, les pourcentages recommandés. Par exemple, je crois qu'il y a des recettes, un livre de recettes contenu dans le coffret, donc je vais regarder ça. Si ça se trouve, ils conseillent déjà eux-mêmes un... Bon, j'ai pas ouvert, mais ils conseillent déjà eux-mêmes une préparation, donc tu auras juste à faire un produit en croix à transposer à la quantité d'huile. Et comme ça, je vais me faire un baume qui sera déjà tout prêt plutôt que de transvaser mes trucs. Mais je vais d'abord finir mon macérat d'arnica de Velleda, dont il ne me reste pas grand-chose. Ensuite, j'ai pris deux produits superflus. C'était la base de ma commande. Et j'ai pris deux produits superflus, non nécessaires, mais que j'avais envie de tester. Chez Aromazon, ils ont sorti du CBD. Alors, je n'avais pas particulièrement envie de tester... le CBD, parce que je suis fidèle à Kaya, vous savez, et que sur moi, ça marche très bien, parce que c'est du CBD avec des plantes adaptogènes. Par contre, ils ont une huile de CBD pour animaux sur base d'huile d'algues, et ça, j'avais bien envie de tester. Alors, pas du tout pour shooter mes chats au CBD. Ils disent que c'est pour chiens et chats, riches en oméga 3, mais parce que tel maître, tels animaux, mes deux chattes sont de très très grandes stressées. Perle, notamment quand on prend la voiture, alors on la prend que pour aller chez mes parents ou chez le véto, mais c'est toujours un truc incroyable. Sur place, elle peut être un peu sur le qui-vive parce qu'il y a d'autres chats, machin. Et Minette, c'est une très très grande stressée de la vie qui a peur de tout le temps. Donc j'avais envie d'essayer, voir si ça leur fait du bien. Le but, c'est pas du tout de leur en donner en continu, ce serait donc pour Perle de lui faire des cures juste avant qu'on aille chez mes parents par exemple, des 3 jours avant, puis le temps qu'on y est. Et Minette, je voudrais essayer de voir lui faire des petites cures, genre d'une semaine par-ci par-là, pour voir si ça la détend, et si elle est moins peureuse, parce que ça doit être horrible pour elle d'être en stress comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de donner une à deux gouttes pour les animaux de moins de 10 kilos, ce qui est le cas de mes chats. Je pense que je mettrai ça sur leur pâté. Ils disent à déposer directement dans la nourriture ou sur la bouche, mais non, je vais pas me battre avec mes chats pour l'en mettre dans la bouche. J'essaierai, c'est un flacon de 10 ml que j'ai payé 15 €, je crois, ce qui est quand même assez cher. Après, je vous dis, le but, c'est pas de les shooter au CBD, sachant que le CBD, ça ne shoote pas, mais bref, vous avez compris.
mais de voir si ça les aide à s'apaiser, auquel cas j'en utiliserai dans les moments un peu stratégiques où je sens qu'il y en a besoin. Parce qu'elles sont comme moi, on a besoin d'aides extérieures pour gérer notre anxiété. Et le dernier produit que j'ai pris, complètement futile, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti, c'est le sérum cheveux aux peptides et extraits de pois, fortifiant, densifiant et anti-chute. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, faut que je teste. Oui, parce que vous savez, mon amour pour les sérums cheveux, tout ça, c'est pas parce que je parle beaucoup de tricot que je n'aime plus prendre soin de mes cheveux. Donc c'est ce petit machin-là qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, visiblement, puisque je ne l'avais jamais vu avant, et je crois que ça figurait dans les nouveautés. Et alors, c'est un sérum, qu'est-ce qu'ils en disent ? Peptide, extrait de pois et de trèfle rouge. Ce sérum concentré se compose d'une synergie d'actifs efficaces pour densifier et fortifier les cheveux. Sa formule freine la chute, favorise la croissance et redonne force et résistance aux cheveux. Alors, j'ai pas particulièrement de chute de cheveux. J'ai de la chance parce qu'en plus, j'ai pas fait de cure depuis excessivement longtemps. Mais j'aime bien toujours les trucs qui viennent stimuler le cuir chevelu, fortifier, rajouter de la densité, etc. Appliquer une à deux pipettes sur l'ensemble du cuir chevelu sec en friction une fois par jour. Et donc c'est un sérum à queue. Et c'est ça qui est cool. Le premier ingrédient c'est de l'eau. Alors le flacon est pas énorme, hein, c'est 50 ml. Et c'est un sérum à queue, ce qui fait que bah justement on peut l'appliquer sur son cuir chevelu sans que ça le graisse. Et notamment ça peut être utilisé par les personnes qui ont une dermite séboréique, qui ne peuvent pas utiliser d'huile, puisque si vous avez une dermite séboréique, l'huile va venir nourrir le champignon et donc aggraver votre problème. Là, ça peut traiter votre cuir chevelu sans nourrir le champignon. Voilà, donc c'est une bonne idée. Alors moi, je pense pas que je ferai une cure, ou quoi que ça pourrait être une idée de faire une cure, d'en mettre tous les jours pendant une semaine ou quoi, ou je sais pas ce qu'il conseille jusqu'à la fin du flacon. Je me rends pas compte combien de pipettes ça fait un flacon de 50 ml. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais le tester et je vous en redonnerai des nouvelles. Après, je suis pas sûre de voir un effet flagrant sur moi, surtout qu'il faudrait que j'utilise avec assiduité. Et vous savez que les sérums cheveux, j'ai tendance à les utiliser par-ci, par-là, un petit peu, machin. Mais je vous en reparlerai. Et en tout cas, n'hésitez pas à essayer si vous avez des problèmes de chute de cheveux et que vous ne voulez pas utiliser un sérum huileux. Voilà, c'était le petit haul beauté du jour. Les naturalistas vont être contentes. Si tant est qu'elle soit encore là, je vais vous laisser parce que moi je vais aller filmer les deux vidéos que j'ai prévu de vous filmer aujourd'hui, à savoir la sélection de patrons de tricot gratuit en français et pour débutants, et une vidéo produit terminé parce que là j'en ai vraiment beaucoup trop d'accumulé. Il faut que ça se range. Voilà, on se retrouve normalement demain pour... bah là, je pense peut-être un petit point tricot, ou sinon du moins la sélection de patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées. Moi et mon gérère qui fait des plis sous les bras, on vous laisse.
mercredi, il pleut enfin. Enfin de la pluie. On l'a attendu, hein. Cette pluie, on l'a attendu, il était temps. Et je trouve encore qu'il pleut pas assez pour que ça soit vraiment bénéfique pour la Terre, mais au moins, il pleut. Et a priori, ça va durer. Donc même si c'est pas très confortable, franchement, être dehors sous la pluie, c'est pas mon kiff absolu. Il pleut, c'est bien. Je porte mon Primula sweater de Noémie Jelly, You Need to Learn. Je l'aime beaucoup et figurez-vous que je l'avais oublié. J'étais en train de râler hier parce qu'avec mon Jaer, j'avais franchement un peu froid. Et j'ai rangé mon Jaer hier soir dans mon armoire et j'ai pas 50 000 tricots. C'est-à-dire que j'ai une pile comme ça de tricots manches longues et j'ai une pile comme ça de tricots manches courtes. Voilà, c'est, pour l'instant c'est tout. Et là je regarde, je fais... Le Primula, j'avais oublié qu'il est parfait pour les moments là. Il est en coton laine, je crois pas que ce soit du mérino. La duo de Sandnesgarn, c'est de la DK, donc c'est un peu plus chaud que le Jaer qui est dans la même compo mais en fingering. Et il est très beau, je l'aime beaucoup, il fait très printanier, j'aime bien cette couleur. Il a des manches, je me rappelais même plus en plus, il y a pas si longtemps que ça, je vous ai montré que j'avais rallongé les manches parce qu'elles étaient trop courtes et que le rabat était trop serré. Du coup, là, elles sont un tout petit peu lâches, mais franchement, ça passe, et elles sont de la bonne longueur. Contrairement à mon amie Dame Florette, moi, je déteste les manches trop longues, parce que je passe l'intégralité de ma vie les bras comme ça, mais parfois, j'ai un peu froid, j'ai besoin que ça descende. Par contre, si ça descend trop bas, ça traîne, et tout, ça m'énerve, ça frotte sur le bureau, ça traîne partout, c'est insupportable. Au niveau encolure, heureusement qu'elle s'est pas agrandie plus. Je crois que j'avais bricolé l'encolure pour qu'elle soit un petit peu plus large que sur le patron initial. Peut-être qu'à refaire, je ferai l'encolure préconisée, mais vous savez que j'aime pas les encolures près du cou, et celle-ci est très bien, et je l'aime vraiment beaucoup, et je suis très très bien dedans. Là, ce sont les températures parfaites pour porter ce genre de pull, parce que là, je ne supporte plus mes gros pulls en DK. Et ça peut être encore parfois un peu juste avec les petits pulls en fingering, à certains moments de la journée, parce qu'il y a des moments de la journée où quand même il fait chaud. La luminosité sera je ne sais pas comment, parce que vraiment il fait tout gris, plus on est presque en fin de journée en plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma commande Hobby que j'ai reçue. C'est arrivé hyper vite. Ils m'avaient envoyé un mail en me disant qu'ils étaient overbookés, qu'il y avait du retard. Mais en fait, Hobby, j'ai l'impression que plus ça va, plus ça arrive vite. Je vais vous montrer les patrons qui sont sortis. Il y en a plusieurs qui sont très sympas, les vidéos que j'ai regardées. Et j'ai à côté de moi, je voulais vous en reparler. Vous savez mes petits papiers de patrons là dont je vous ai parlé. Je suis en train encore tout doucement de continuer à faire les petites fiches que je vous ai dit sur Ravelry. À savoir pour ceux qui n'étaient pas là dans la vidéo où j'en ai parlé. Oh, j'ai encore le nez tout rouge, on sait pas pourquoi. Je vous assure, j'ai pas bu. Il est tout chaud. Peut-être parce que je me suis mouchée juste avant. Ça craint un peu, hein. Bah tant pis, vous aurez Rudolf le petit renne au nez rouge en direct avec vous. Donc, je fais comme mon amie Dame Florette, à savoir que je fais un montage photo avec le patron que je souhaite faire, plus la laine que j'ai déjà pour ce patron, ou la laine avec laquelle je sais que je veux faire ce patron. Je fais un montage, comme ça je m'en rappelle. Et je mets ça sur Ravelry, je rentre le projet sur Ravelry, en dormance, donc en hibernating. En fait, il se met tout au bout de vos projets avec un petit ZZ, là, comme s'il dormait. Et si j'ai déjà la laine, je joins la laine au patron, comme ça, je m'en rappelle. Voilà, je voulais faire avec cette laine que j'ai dans mon stash. Et comme ça, quand je voudrais faire le projet, paf, je me rappelle déjà tout. Et c'est trop bien parce que j'avais commencé à noter vaguement dans mon téléphone. J'avais commencé à noter par-ci, par-là. Mais enfin, des fois, j'oublie, j'avais acheté cette laine. Pourquoi faire déjà, machin? Et comme je vous l'ai dit, sur mes petits papiers, j'ai répertorié absolument tous les patrons que je souhaite faire. Dont 95% se trouvent déjà dans les patrons que je possède. Donc là, je suis dans les pulls. Sachant que je ne répertorie que ceux pour lesquels j'ai déjà une idée de laine, ou j'ai des, surtout pour ceux pour lesquels j'ai déjà la laine, ceux dont je sais que je veux faire le patron mais j'ai absolument pas d'idée de laine à utiliser, bah je les rentre pas sur Ravelry, je les rentrerai au moment où je les ferai. Voilà, donc je continue à faire ça tranquillement, 2-3 petits patrons par-ci, 2-3 petits patrons par-là, sachant que j'ai de quoi faire, hein, parce que j'ai un stage qui est assez gros, j'ai beaucoup de patrons dans ma bibliothèque, donc voilà. Et je ne comprends pas pourquoi ce nez est tout rouge, en plus j'ai pas pris de coup de soleil, je suis pas partie une saison, bon c'est pas grave. C'est tout, oui, sinon je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur les 22 patrons de tricot en français gratuit et facile. Vous avez beaucoup aimé, je pensais pas que ça vous plairait parce que bah ça reste des patrons gratuits que à peu près tout le monde connaît. Facile, c'est pas forcément ce que les tricoteurs expliquent. Ont envie de faire, mais en fait ça vous a vachement plu.
Donc tant mieux, puis si ça peut donner des idées, bah, c'est tant mieux, et faire découvrir des designers aussi, hein, c'est un peu ça le but, des designers qui offrent des patrons, c'est pour qu'aussi on aille voir ce qu'ils font de plus, et aller voir leur univers, et c'est très cool. Et donc j'ai bien noté que vous vouliez aussi la vidéo pour les châles à un écheveau, et je pense même que j'ai de quoi faire deux vidéos, parce que ça fait hyper longtemps que je me note tous les châles à un écheveau qui me plaît, que je croise, donc je... Attendez, je vais vous dire combien j'ai de patrons actuellement. Je pense que j'ai de quoi faire deux vidéos. Pas sûr, mais peut-être. Alors. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? J'ai... Ah oui, j'ai de quoi vous faire au moins trois vidéos. J'ai 60 patrons, donc oui, j'ai au moins de quoi vous faire 3 vidéos. Donc je ferai ça, alors pas dans l'immédiat, mais ça va venir peut-être une vidéo en avril, une vidéo en août et une vidéo en octobre, j'en sais rien. Je dis ça au pif, mais pourquoi pas. Donc ma commande Hobby, je vous avais dit que j'avais craqué chez Hobby, principalement dans l'objectif de tester une qualité de fil. Vous avez le droit de me taper parce que j'ai été un tout petit peu à l'encontre de mes principes et ça m'ennuie, soyons honnêtes. Mais j'ai craqué parce que les couleurs me plaisaient beaucoup et que j'ai décidé de m'asseoir sur ce principe-là pour cette fois-là. N'en déplaise aux puristes et aux perfectionnistes. Donc, je voulais tester une qualité de fil et paf, dans l'idée m'est venu un projet avec. Et à côté de ça, j'ai vu en surfant, évidemment, puisque c'est très attrape-manu ce genre de site, j'ai acheté aussi deux quantités top parce qu'ils ont sorti un nouveau fil qui me plaît beaucoup. Donc, je vais commencer par vous montrer l'objet que j'ai acheté, enfin que j'ai pris avec mes points fidélité. Vous savez, quand on commande sur Hobby, on accumule des points fidélité. Et après, on a une boutique de points, en fonction du nombre de points, on peut prendre ci ou ça. Alors, il y a des trucs sympas, hein. Il y a des boutons, il y a des trousses, il y a des accessoires, il y a des pelotes de laine, etc. Et là, j'avais très envie de tester les aiguilles à laine de chez Pony. Parce qu'elles avaient l'air vraiment très bien et surtout parce qu'elles sont en métal. Il faut savoir que moi, au niveau aiguille à laine, je suis un peu exigeante. À savoir que je déteste les aiguilles à laine en plastique. Je trouve que c'est inefficace. Moi, je suis quelqu'un qui tricote serré, je suis quelqu'un qui aime les trucs de précision. Les aiguilles à laine avec un embout énorme, enfin, en plastique, je n'aime pas du tout. Les aiguilles à laine, la plupart sont très grosses et je trouve que c'est pas nécessairement toujours adapté avec la pointe, justement, agréable pour bien entrer les fils et tout. Et en ce moment, j'utilise des aiguilles à laine que j'avais eues dans des packs Wear Knitters que j'avais acheté quand j'avais débuté le tricot, donc il y a 2 ans et demi par là. Parce que quand vous achetez un kit de chez Wear Knitters, il vous offre un lot de 2 petites aiguilles à l'intérieur. Et franchement, je les trouve trop, trop bien. Parce qu'elles sont, si vous voulez, pareil que des aiguilles à coudre, mais taille au-dessus. Attendez, j'en ai une, je crois, je vais vous montrer. Alors, je peux vous montrer exactement de quoi je vous parle. Voilà, typiquement, le genre d'aiguille que je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est trop gros et que ça ne pique rien du tout. Voilà, ça, j'aime pas. Mais, à contrario, je suis absolument fan. Attendez, mon cake au citron est cuit. J'arrête le four, je reviens. Me revoilà. Donc, je vous disais les aiguilles à laine. Voilà un exemple d'aiguille à laine fournie. Dans un kit Wear Knitters, chez Wear Knitters, vous avez 2 aiguilles, une grosse, une petite, ça c'est la petite. Je n'utilise plus que ça, parce que c'est ça que je trouve absolument merveilleux. Elle est fine, elle est pointue, regardez la différence. Si j'arrive à vous la montrer, ce qui n'est pas gagné. Avec ça, voilà. Clairement, au niveau de la pointe, c'est pas la même. Et moi, je n'utilise... que les aiguilles de chez Wear Knitters, mais j'en ai 2, je crois, parce que j'avais acheté 2 kits. Voilà, et je me dis que j'aurais bien aimé en trouver d'autres, voire d'autres tailles, etc. Sauf que je trouve qu'on ne trouve rien, en fait, sur les différents sites ou quoi. C'est ou du plastique ou du métal, mais c'est généralement très gros, avec des bouts très ronds. Et c'est pas ce que je veux. Et j'ai toujours le nez très rouge. Donc, là, il y avait les aiguilles de chez Pony, en
en vente, entre guillemets, avec les points fidélité. Je me suis dit que j'allais les essayer parce qu'elles avaient l'air de visu bien. Je vous montre le packaging et je les ouvre après. Elles sont en métal. Déjà, ça c'est un bon point parce que je préfère largement les aiguilles en métal que les aiguilles en plastique. Et regardez, elles sont super pointues. J'adore. Voilà. Voyez comme c'est pointu. Ça, c'est des aiguilles à laine que j'aime. Et c'est vraiment des aiguilles à laine, hein, parce qu'en plus, il y avait le choix. Je pouvais choisir entre les aiguilles à coudre, les aiguilles à tapisser, les aiguilles à laine, les aiguilles à perles et les aiguilles à je sais plus quoi. Et j'ai bien pris les aiguilles à laine. Hein, c'est marqué aiguille à repriser la laine. Voilà. Et bien franchement, elles ont l'air trop bien. Même la grosse aiguille, vous voyez, qui est la plus grosse, elle est super pointue. Et ça, franchement, c'est trop bien. Les gens qui font des rabats à l'italienne avec des aiguilles à bout super rond, je sais pas comment vous faites. C'est un enfer. Un enfer. Donc là, je trouve ça bien, d'autant plus qu'il y a toutes les tailles, que la plus grosse est pas très grosse, que la plus petite, il y en a deux visiblement identiques. Il y a visiblement trois tailles. Deux de la plus petite, deux de la taille moyenne et une de la grande taille. Franchement, je regrette pas. Si vous avez des points fidélité chez Hobby, n'hésitez pas à prendre les aiguilles, parce que je les trouve vraiment très bien. Vraiment, c'est un super découverte. Et donc, ce n'est quand même pas pour les points fidélité et les aiguilles que j'ai commandé. Oh, ça m'énerve, ce nez. Je ne vois que ça. Donc, je vais commencer par les deux fils pour lesquels j'ai craqué, qui n'étaient pas initialement ce pour quoi j'avais envie de commander. Après, c'est pas du gros craquage non plus, hein, ça reste du fil de chez Hobby. Et en plus, là, c'est du fil d'été, donc j'ai pas pris beaucoup de pelote, puisqu'il en faut moins pour tricoter des vêtements d'été. Et c'est du coton, c'est la Baby Coton Pastel Print. Chez Hobby, je me méfie en fait, parce que souvent ils font des trucs qui renouvellent pas. C'est aussi pour ça qu'ils font exprès, pour qu'on achète en se disant quand il n'y en aura plus, voilà. Par exemple, je sais que Maloraé, elle avait acheté du coton un peu chiné. Et en fait, je le trouve trop beau, mais ils l'ont fait un été, puis après ils l'ont arrêté volontairement. Et là, ils ont sorti une gamme qui s'appelle Baby Coton Pastel Print. Franchement, j'avais envie de prendre quasiment tous les coloris, c'était cata. C'était que des coloris pastels, tout doux pour l'été, j'ai adoré. C'est 100% coton égyptien organique. C'est 170 mètres pour 50 grammes, donc de la fingering, et j'ai pris deux coloris. Ça, c'est le coloris 10. Donc on est sur un violet rose. J'aime beaucoup, plusieurs nuances de violet et du rose clair. Je crois qu'il y a trois couleurs. Je crois que c'est trois couleurs à chaque fois dans chaque coloris. Et là, c'est ça, violet clair, violet foncé et rose. J'aime beaucoup. Et la deuxième que j'ai pris, c'est le coloris 15. Et là, c'est visiblement jaune, pêche et rose. Et j'aime beaucoup, ça va faire un coloris tout doux, nuancé. Je trouve ça très chouette, j'espère que ça va pas faire du pooling, mais normalement c'est conçu pour ne pas faire de pooling, enfin c'est conçu pour faire des vêtements, donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup, il y avait aussi dans les nuances de vert clair, vert d'eau un peu, c'était très très beau. Peut-être que dans une prochaine commande, un jour, voilà. Et je crois que c'était dans les 3 euros la pelote, par là. Je crois que ça m'est revenu à un peu moins de 25 euros le top. Donc voilà. Et ensuite, la laine que je voulais tester, c'était le fil que je voulais tester plutôt, c'était le fil Portobello, qu'ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps. Et c'est là que je me suis un petit peu assise sur mes principes, parce que la compo ne me plaît pas entièrement. Je vous explique, c'est un fil qui fait 120 mètres pour 50 grammes, donc c'est plutôt un fil que moi je vais tricoter comme de la déca, d'autant plus qu'il est, j'allais dire il est soufflé, mais non, pas vraiment, enfin si, c'est un fil, en fait c'est un fil tissé avec des brins à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est nuancé, vous allez voir, et on est sur 60% de coton, 12% de laine, jusque là tout va bien, mais 28% d'acrylique. Ça fait quand même un tiers de la pelote constituée d'acrylique. Je me suis consolée en me disant qu'il y avait 60% de coton et 12% de laine. J'aimais vraiment les coloris, j'aimais vraiment les nuances. Je me suis dit, allez, tu t'assois sur les 28% d'acrylique qui te déplaisent beaucoup. Et tu commandes. Et j'ai pris de quoi faire le Aimé Cardigan de Rory Locatelli, dont je vous mets la photo. Qui est un cardigan avec 5 couleurs, color block. Je trouve ça très beau. Et je voyais vraiment un cardigan de printemps avec ces couleurs là, je vous montre. Alors, je vais les mettre, je sais pas dans quel
Je ne sais pas dans quel ordre. J'ai pas décidé dans quel ordre j'allais mettre les couleurs pour faire ce cardigan, mais voilà, alors là ça me paraît compliqué de réussir à vous montrer ça sans vous faire tomber. Julie sort de ce corps, ça ne tombera pas. Voilà. Oh regardez, c'est trop trop beau. Oh eh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. C'est trop trop beau, ça fait pastel. Ça fera un super cardigan. Ouais, peut-être dans cet ordre-là, les coloris. Franchement, je suis archi fan. Et j'aime beaucoup parce que c'est un fil qui est nuancé. Vu qu'il y a un... En fait, c'est un tissé à l'intérieur de rose, de blanc avec des fibres, les fibres de la couleur. Donc en fait, tout est nuancé blanc avec les fibres de la couleur. Je trouve ça magnifique, vraiment. Il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient, dont j'avais envie d'acheter des quantités pulls, notamment un violet, un vert un peu menthe. Et un rose un peu plus foncé, mais bon, on va se calmer aussi. C'était quand même pas donné, je crois que c'était... Je sais plus. Je crois que ça me fait quelque chose comme 35 € ou le cardigan, un truc comme ça. Ou 40 €. Enfin, oui, parce qu'il me fallait quand même plus de pelote que... On devait être aussi dans les 3 € la pelote, hein, à mon avis, comme pour le coton. Donc, le premier coloris, donc c'est Portobello. C'est ce truc de champignon, là. Et voilà, je vous dis la compo, elle est ce qu'elle est, vous faites... Votre choix, vous faites vos choix, de toute façon je n'ai pas à vous dire quoi faire, vous faites vos choix et je fais les miens. Au niveau du toucher, je trouve qu'on sent un peu l'acrylique. Mais il y en a quand même que, entre guillemets, 28%, voilà. Mais on sent un peu l'acrylique, mais voyez, alors ça sera de la déca, je ne sais pas si vous verrez, ça sera c'est de la déca un peu fine. Puis je ne sais pas si vous voyez la chaînette à l'intérieur. C'est de la déca un peu fine, mais je voudrais faire un cardigan assez fluide. Donc je vais tricoter à l'échantillon, je pense, mais de manière assez fluide. Eux, ils recommandent quoi comme aiguille? 4, oui, bah totalement, je vais tricoter en 4, je pense. Donc le premier coloris est le coloris 09. Le deuxième, le rose clair, c'est le coloris 53, donc voilà. Le coloris suivant, le violet, c'est le coloris 68. Le coloris suivant qui fait gris comme ça, mais en fait, c'est un gris bleuté. C'est gris bleu. C'est le coloris 120. Et le dernier coloris, le vert clair qui est très beau, c'est le coloris 113. En fait, pour chaque couleur, je me suis demandé si je prenais pas une quantité pleine pour faire une pièce entière. Et je me suis dit que je sais pas si je me verrais par exemple avec un pull tout vert pâle comme ça. Par contre, tout ensemble, je me suis dit que ça irait vachement bien. Donc pour tester la qualité et pour voir les couleurs, je me suis dit que bah, c'était un projet parfait en fait de rester là-dessus. J'ai hésité à prendre du naturel au lieu de prendre ce jaune un peu ocre. Mais en fait, je pense que ça aurait vraiment rendu un côté très terne au cardigan. Là, je trouve que le jaune ocre, ça va très bien. Et franchement, j'aime trop ce combo de couleurs. Et je pense que je vais le tricoter dans cet ordre-là. Quand vais-je le tricoter? Je ne sais pas. J'ai très envie de le monter, mais c'est pas que j'ai 3012 projets en cours, là. Voilà, dont des gilets. Et d'ailleurs, en parlant de gilets, j'en suis presque à la moitié de ma bande d'encolure de mon gilet Bourgeon d'Avril. Franchement, je n'en peux plus. Là, ça devient de la souffrance de finir cette bande d'encolure en jersey double. C'est excessivement long. J'ai bien calculé mon timing. Hein. Je pense qu'il me faudra 12 heures pour faire tout le tour. Là, j'en suis presque à la moitié. Je me mets des... Vous savez, je vous avais dit que j'ai compté les mailles et j'ai réparti en fonction du nombre de jours sur lequel je voulais faire ça. Je me mets un clip-clip là. Un nanomarqueur jusqu'à la maille à laquelle je dois travailler. Tous les soirs, je me force et je n'arrête pas avant d'avoir fait le nombre de mailles escomptées, et c'est à peu près 2 heures de tricot à chaque fois, tous les soirs dessus. C'est très très long, c'est très beau, j'adore le rendu, je sais pas si je peux vous le montrer. J'aime énormément le rendu, vraiment. Vous verrez que dalle, j'ai bien l'impression. Voilà, éclaircis-toi, voilà. J'aime beaucoup le rendu. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Ah, c'est beau, hein. C'est très beau. Mais c'est une torture à faire, quoi. C'est interminable. Voilà, là, j'en suis presque à la moitié de... Pas tout à fait.
Puisque, ouais, pas tout à fait, la moitié c'est ici et j'en suis là, mais... c'est très beau, mais alors c'est très long. En plus, ma première boutonnière ne va pas, elle est beaucoup trop basse. Du coup, je mettrai que 7 boutons au lieu de 8, je vous avais dit. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je bricolerai... voilà. Bref, maintenant, passons aux patrons qui sont sortis. Parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle et c'est beaucoup trop, vous allez encore dire que je parle trop. Les patrons qui sont sortis sur Ravelry et que je trouve sympa. Je me décale pour vous les mettre ici. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord Bérangère Caillot qui a sorti un joli pull en yoke avec de la dentelle qui s'appelle le Tilbaka. Je le trouve très sympa. Il est simple, mais il a un petit twist de dentelle ici, je le trouve très beau. Il y a Cynthia Vallée qui a sorti... Alors, j'ai pas trop compris si c'est un livre ou un e-book, mais en tout cas, pour ceux qui aiment les petits animaux au tricot, j'ai vu qu'elle a sorti tout un truc qui ne se vend pas séparément sur Ravelry, avec, j'ai l'impression, à peu près 8 animaux. Et moi, je vous ai pris comme exemple Aggie, le petit mouton. Je le trouve trop mignon. Il est trop chou. Il y a même Les Anges Tricotes qui a sorti un combo de chaussettes et de guêtres upside down avec une sorte de point de brique ou de point... Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, le point de brique. Et c'est très sympa, je trouve ça vraiment sympa. Il y a le Steel Knitting, donc Florence, qui a sorti un gilet qui a fait un peu sensation sur les réseaux. Alors certains le qualifient de gilet, d'autres de top. Il s'agit du top gilet, du coup, Bogota, qui est en fingering avec de la dentelle. Je trouve très beau. Après, sur moi, je sais pas ce que ça donnerait. J'aurais très peur que ce genre de forme sur quelqu'un de très rond comme moi... Vous voyez, moi, je suis pas en forme de A, je suis pas en forme de poire, je suis en forme de tonneau. J'aurais très peur que ça fasse très vite mémère. Vous savez, les trucs que les dames d'un certain âge un peu fortes mettent, très vaporeux, machin. Et bon, je me vois très bien porter ça à 50 ans. Hein. Clairement, je sais très bien que je finirais comme ça à 60 ans. Ne prenez pas mal en fonction de votre âge. Mais c'est un peu caricatural ce que je dis. Mais voilà, j'ai très peur que sur une morphologie plus forte, ça rende... plus vieillot en fait, voilà. Mais peut-être que je me trompe. Il y a Petite Knit qui a sorti un pull, je vous en parle parce que j'ai déjà vu des gens le tricoter et je sais que comme d'habitude c'est du Petite Knit, donc ça aura du succès. Moi je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il s'agit du Mélange Sweater qui est un pull tout simple en fingering qui tout simplement mélange deux fils de fingering, d'où l'effet chamarré, marbré, moucheté, comme vous voulez. Bon voilà, ça reste un pull tout simple. Il y a Wool & Pine qui a sorti Alors elle appelle ça une veste, mais comment ça s'appelle? Moi j'appelle ça un gilet sans manches. Certains appellent ça un débardeur, d'autres appellent ça un gilet. Ça m'énerve d'être dans l'incertitude. Faudrait que je cherche. Le Rockhound Vest, donc c'est un gilet sans manches, avec un col V et de la texture sur le devant, je le trouve très très beau. Alors c'est... une pièce que je trouve très belle, mais après je sais pas si je la tricoterais parce que ce n'est absolument pas le type de pièce que je porterais. Beaucoup de gens portent ça sur des chemises, je trouve ça très élégant. Je ne porte pas de chemise, je ne porte plus de chemise depuis des années parce que je ne porte plus que des vêtements élastiques dans lesquels je peux bouger dans tous les sens, sinon je me sens étriquée et ça m'oppresse et ça m'angoisse. Et puis généralement c'est soit j'ai froid et j'ai besoin d'un truc à manches longues, soit j'ai chaud et j'ai pas besoin d'un pull. Donc il y a du soleil qui vient après la pluie. Donc c'est très beau. Si je voulais tricoter un jour un gilet sans manches, il est fort probable que je me tourne vers celui-ci. Mais dans l'immédiat, non. Un autre gros coup de cœur, encore une fois, chez Valentina Bogdanova. Il s'agit de la Ondas Blues. Et comme d'hab, alors chez Valentina Bogdanova, c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est toujours du yoke avec du col festonné, enfin souvent. Et là, c'est la deuxième fois qu'elle fait un pull qui joue sur la bimatière. Donc moi, j'ai prévu de tricoter le nuage sweater que l'une d'entre vous m'a offert, dont l'une d'entre vous m'a offert le patron. Je te remercie. Et là, c'est le même genre, sauf que le nuage sweater, il a un col V. Là, c'est un col festonné. J'aime trop. Celui-là, il a atterri dans mes favoris et dans ma wishlist de fou. C'est non, c'est pas l'inverse du nuage sweater, c'est pareil, c'est en fait c'est un bimatière fingering mohair, je le trouve trop beau, je le trouve trop trop beau. Il y a Stone Knits qui nous a encore sorti des chaussettes en jacquard farfelu, à savoir les Breakfast Socksets qui sont un mélange d'avocat et d'œuf dur, je trouve ça très drôle. Stone Knits, elle a toujours plein d'idées marrantes, voilà, j'ai toujours pas tricoté de patron d'elle, hein, mais c'est prévu.
Pour les amoureux des gros pulls et des torsades, ce qui n'est pas mon cas, il y a Sari Nordlund qui a sorti le Fika Pullover. Il est beau. Après, il faut avoir envie de se farcir de la torsade du haut jusqu'en bas. Il est très beau, mais c'est pas un pull que je ferais. Dans la série des gros pulls, mais un peu originaux, il y a Irène Lin qui a sorti le Ellie Sweater. Il est joli. Il est en yoke, visiblement, avec un peu de jacquard, puis de la texture un peu écaille de poisson ou croisillon. Croisillon, plutôt. Il est sympa. Il est sympa, mais ça a l'air d'être un gros pull bien chaud. C'est pas pour moi, ça, non plus. Il y a Rory Locatelli qui a sorti une étole originale, qui est la Sowing Seeds of Love, qui est une étole, donc pas un châle, qui se termine quand même visiblement en deux pointes, enfin vous savez, avec un triangle vide au milieu, quoi, avec des rayures et de la dentelle. Alors c'est pas nécessairement un projet que j'aurais envie de faire là, tout de suite, maintenant, mais je la trouve jolie. Il y a Johanna Hong qui a sorti aussi un gros pull texturé, pour ceux qui aiment les gros pulls texturés, et je le trouve très très beau. Il s'agit du pull Gemma, avec un gros panneau de texture devant et des torsades sur les épaules. Il est vraiment très beau, je trouve. C'est tout pour les patrons qui sont sortis, c'est déjà pas mal. Alors, gros coup de cœur sur le patron de Valentina Bogdanova. Il est magnifique, il est magnifique. Oh, mes aiguilles à laine sont tombées. Non, 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 ça ne va pas du tout, ça. Les vidéos que j'ai regardées depuis le dernier vlog, j'ai regardé le vlog 59 de l'eau demoiselle. Comme d'habitude, c'était très sympa et je trouve que son Midas de Folie Ordinaire rend hyper bien dans ce coloris violet là. En ce moment, j'ai envie de violet. Je pestais, j'ai déjà pesté plein de fois, je vous l'ai dit, contre Drops qui supprime tous ces coloris violets. Il y a la Portobello violet là est très belle, ils ont un coloris plus foncé aussi, je sais pas, j'ai envie de violet en ce moment. Le violet c'était la couleur préférée de ma grand-mère aussi, donc ça me fait beaucoup penser à elle. J'ai regardé le vlog numéro 8 de Loli Pelote, c'était très sympa, elle nous a encore parlé de choses assez perso, enfin, pas du tout dans un côté voyeuriste, mais j'aime bien ce côté très authentique de Loli Pelote. Voilà, elle nous parle de ce qui la tracasse sur le moment T, la santé de son chat, la santé de sa maman. Voilà, c'est authentique, c'est sincère, c'est naturel, et c'est ça qui me plaît beaucoup. J'ai regardé le carnet créatif numéro 10 d'Eve, et c'était très sympa aussi. Je sais même plus ce qu'elle nous a montré. Si, son Dune, oh, il est tellement beau, mais cette couleur, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle nous a montré d'autre? Je ne sais même plus. Mais en tout cas, moi, je suis flashy sur son Dune. Ah si, son Fiori Top. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de monter le mien. Là, tout de suite, j'ai envie de vous dire que les deux prochains projets que je vais monter, c'est le Fiori Top et le Aimé Cardigan. Mais ça se trouve, ce ne sera pas le cas du tout parce que je suis loin d'avoir fini mes encours, je suis encore engagée sur des tests, etc. Mais là, tout de suite, maintenant, je vous dis que dès que j'ai fini un peu ça, là, que j'ai débroussaillé, je monte le Fiori Top et le Aimé Cardigan. Peut-être. J'ai regardé l'épisode 11 de mon amie Dame Florette et c'était bien trop chouette, c'était super chouette et je suis absolument fan de son Stripes d'Andrea Mori qu'elle a fait en alpaca de Drops. Je veux même, bon alors je veux pas le même dans les couleurs d'autant plus qu'elle a utilisé des coloris qui n'existent plus dont du violet évidemment, mais je veux le même dans la même laine, tout pareil, en espérant que sur moi ça gondole pas vu que je suis de la team XXXL, mais franchement, je veux tout pareil. Et son Marican, il est sublimissime. Alors, elle a dit qu'on le faisait ensemble. Najla, Florian et moi, nous l'avons commencé le 1er mai 2022. Najla l'a fini, je sais pas, en septembre. Florian l'a fini là. Moi, j'ai même pas fini les raglans. Voilà. Mais j'ai prévu de l'avancer. J'ai prévu de l'avancer. Mais en fait, ce qui m'arrête un peu, c'est que je me demande s'il sera pas trop petit. Parce que comme je vous l'ai dit, chez Isabelle Kramer, ça monte pas très haut dans les tailles, donc là j'ai même pas fait d'échantillon. L'appareil photo m'a coupé le caquet parce que je parlais trop. Bon, c'est signe qu'il faut que je me dépêche d'arrêter. Je vous disais donc que je n'ai pas fait d'échantillon, je suis direct partie sur la plus grande taille, qui a priori est ma taille en un petit peu juste. Là, le tissu sur mes aiguilles me paraît un peu dense. J'ai hésité à me dire que j'aurais peut-être dû prendre du 4,5 plutôt que du 4, je le fais en filet collène. Comme Dame Florette, mais elle a l'air de dire que c'est une laine qui s'assouplit au lavage, donc je vais continuer comme ça et je verrai bien. Et la dernière vidéo que j'ai regardée, c'est l'épisode 39 de chez Mimi, et c'était super chouette, un long épisode, c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé, elle tricote beaucoup de belles choses, j'aime bien son rapport au tricot aussi, elle fait un peu de crochet, elle fait des choses pour ses filles, elle se prend pas la tête, elle s'amuse,
Vraiment, c'était chouette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense pas que je viendrai demain, à moins que j'ai des trucs à vous dire. J'attends une autre commande. J'ai commandé quelque chose de spécial pour un projet spécial. J'en ai profité pour reprendre de la lessive Eucalan parce que je n'en avais presque plus. À cela près que je me questionne. Parce que j'avais pris, la toute première fois que j'avais pris de l'Eucalan, j'avais pris de la senteur pamplemousse. Je trouvais que ça ne sentait absolument rien et ça m'allait très bien. Vous savez que moi, les odeurs, c'est compliqué. La deuxième fois que j'ai pris de l'Eucalan, j'avais pris un petit bidon et j'avais pris jasmin parce que j'aime beaucoup l'odeur du jasmin. J'ai lavé mon châle plumpy avec et je trouve qu'il sent encore et que c'est pas agréable, ça me dérange. Alors que, clairement, la senteur pamplemousse, moi je ne sentais rien du tout, hein, pas l'odeur du pamplemousse. Là, je trouve même pas que... Enfin, ça sent pas mauvais, mais je trouve pas que ça sente le jasmin, puis je trouve que ça sent. Et le fait que ça sente, ça me dérange. Et là, j'ai repris du jasmin, donc j'aurais peut-être dû prendre du naturel. Le téléphone sonne, je vous laisse, à plus tard! Hello, on est jeudi, finalement, je reviens, j'avais dit que j'aurais rien à vous dire. Mais si, en fait, j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Bon, pour le coup, je pense pas que je reviendrai demain. Déjà, cette vidéo va être bien longue, le temps que je vous parle de tout ce dont je veux vous parler. Et je reviendrai samedi faire le bilan de ma semaine de tricot. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de tricot et de beauté. Donc ça va plaire aux naturalistas. J'ai détaché mes cheveux parce que je les ai lavés hier. C'est vrai que je les porte pas souvent détachés parce qu'ils sont quand même très longs. Mais ils sont plutôt en bonne forme. Ils sont plutôt en bonne forme, même si ils sont pas parfaits, mais ils sont plutôt en bonne forme. Alors là, je les ai démêlés. Ah, ma balette, elle est tombée. Je les ai démêlés, donc ils sont un petit peu mousseux, parce que forcément, des cheveux qui ont un peu de texture, quand on les démêle, eh bien, ça mousse, les amis, ça mousse. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Là, ça commence mal, cette vidéo, elle commence très mal. J'aime bien mettre une petite barrette, mais pas si elle se casse la tronche. Voilà, bon, je sais pas comment je l'ai remise, mais c'est remis et c'est moche. Ah, Manu. Et ses grandes idées, vous voyez, quand j'ai un chignon, vite fait, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà, pourquoi est-elle tombée, on ne sait pas. Bon, eh bien, on va dire que ça va aller comme ça, hein. Je sais pas comment c'est mis, mais on va dire que ça va aller comme ça. Je porte encore mon Primula sweater qui est parfaitement adapté, bah, vraiment, pour la saison là. Je suis bien dedans, j'ai mis un débardeur en dessous, donc j'ai pas froid. J'avais trop chaud tout à l'heure, je me suis agitée un peu, j'ai fait des trucs, j'avais trop chaud, je l'ai enlevé. Puis bah forcément, une fois qu'on s'agite plus... on a refroid, donc je l'ai remis. Bref, je vous avais partagé sur Insta il y a quelques temps... que la boutique de Souila, donc qui est une personne que j'aime vraiment beaucoup, qui vend des produits naturels, principalement pour les cheveux, principalement des colorations végétales, des produits indiens, des poudres indiennes, etc., mais aussi d'autres produits cheveux et d'autres produits pour le corps, mais moins que pour les cheveux. C'est une boutique que je connais depuis plusieurs années, sur laquelle j'achète depuis plusieurs années, et Souila a connaît plutôt de grosses difficultés avec son entreprise, comme énormément d'auto-entrepreneurs malheureusement à l'heure actuelle, et c'est vraiment très triste parce que ce sont des petites entreprises qui font des choses vraiment bien, avec du respect, avec des bons produits, avec une éthique derrière, et ça se casse la tête, et je vous ai dit, ça me fait beaucoup de peine. Et du coup, elle m'avait dit qu'en fait, et elle l'avait annoncé après sur les réseaux sociaux, qu'elle ne s'en sortait pas du tout financièrement, qu'elle savait pas si elle allait arrêter son activité ou non, mais qu'en attendant, pour payer ses charges, ses factures, elle allait mettre tout son site à moins 50%, donc elle m'avait dit, si tu veux en profiter, c'est l'occasion. Alors, j'avoue que j'ai un peu de culpabilité à acheter quand c'est soldé pour des raisons, des mauvaises raisons comme ça, quand c'est pour des gens qui font faillite, genre Heidi qui a arrêté son activité à cause de problèmes de santé, j'ai un peu culpabilisé d'acheter en grosse réduction comme ça, alors que en fait c'est un peu profiter sur le dos de la personne, vous voyez.
Et puis Souila m'a dit, je sais pas si je vais continuer, vas-y, profites-en, t'inquiète pas. Je dis, bon bah je passe commande, au moins ça te soutiendra. Et moi, bah forcément, ce sera avantageux puisque je vais avoir les produits à moins 50%. Donc j'ai passé commande, je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre d'infos, à savoir qu'à ce jour, je ne sais pas s'il reste des produits dessus. Peut-être que oui, peut-être que non, puisque bien sûr l'idée c'était de vider ses stocks, de se refaire une trésorerie, et après de voir si elle continuait ou pas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la poudre de Shikakai, donc vous savez que le Shikakai est l'une de mes poudres lavantes préférées, c'est une poudre que j'adore. C'est vrai que je l'utilise pas trop en ce moment, mais franchement c'est un tort parce que le Shikakai est une poudre lavante vraiment que j'adore, à manipuler avec précaution parce qu'elle est très volatile et elle peut vous irriter les voies respiratoires si vous en inhalez, voilà, en faisant une effusion de fumée de poudre dans votre cuisine ou dans votre salle de bain quand vous vous en servez. J'ai racheté un petit sachet de Kapoor Kashli. Alors j'avais pas vu qu'elle vendait ça par tout petit sachet comme ça, c'était rigolo, j'ai trouvé. Le Kapoor Kashli est une poudre indienne que j'adore, qui convient hyper bien aux chevelures assez claires puisqu'elle ne va pas du tout foncer les cheveux. C'est une très bonne poudre de soin. Et j'ai racheté un sachet de poudre de neem. Donc la poudre de neem est une poudre excellente pour les cheveux, excellente pour les cuirs chevelus qui sont sensibles, qui sont un peu irrités. C'est vraiment une superbe poudre. On peut même s'en servir toute seule pour se laver les cheveux. Elle va venir faire un petit lavage en douceur. Je l'aime beaucoup aussi. C'est tout ce que j'ai pris au niveau produits purement de chez Boutique Beauté Bien-être. Ensuite, j'ai pris des produits de marque. Donc, j'ai pris un smoothie, oula, qui a failli tomber, de chez Les Secrets de Loli. Donc, j'avais déjà testé un smoothie. Je crois que c'était mieux en litchi, celui que j'avais eu. Là, j'ai pris ananas pour changer. C'est un leave-in qui est soi-disant... ils ont changé, je pense, parce qu'avant... C'était marqué que c'était surtout pour les cheveux très frisés, très crépus. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est un leave-in qui est... C'est un lait, c'est un smoothie, qui est très liquide, et qui, à mon sens, est moins riche que le... Comment s'appelle-t-il? Cœur de nectar, je crois que c'est ça. Le cœur de nectar, moi, j'ai vachement de mal à le doser, parce qu'il me poisse très vite les cheveux, lui, beaucoup moins. Donc je pense que si vous avez les cheveux un peu secs, qu'ils soient texturés ou non... Vous pouvez utiliser ce produit, d'autant plus que comme il est très liquide, c'est possible d'en utiliser une toute petite quantité. Donc moi, je vous le conseille. Et dedans, on a... je vais pas vous décrire tout, mais la compo est pas trop longue, ça j'aime bien. On a des quads quand même, je crois. On a toujours des quads chez Les Secrets de Loli. Quoique, là, il n'y a pas l'air. Non, c'est vrai, je me rappelle. Le smoothie est l'un des seuls produits de la gamme qui ne contient pas d'ammonium quaternaire. Donc, bon point en plus si vous voulez un produit sans couette. Voilà, donc je m'étais dit que c'était l'occasion de tester. Ensuite, j'ai repris, et j'en ai carrément pris deux, le Tropical Detox des Secrets de Loli. Vous savez que c'est un produit que j'adore. C'est un masque détoxifiant pour le cuir chevelu et les cheveux. À base de quoi? Je ne sais plus. Banane, lin, agave, chia, kaolin. Donc kaolin, c'est de l'argile. Et vinaigre d'hibiscus, et c'est un produit que mes cheveux adorent, que j'aime énormément, mais je vous avais déjà dit que je ne l'achetais pas souvent parce que le pot est petit, le prix est élevé, je crois que c'est un truc genre 25€ les 250 ml, ou 28€ même, donc c'est quand même très cher. Moi, vous voyez ma longueur et tout, le pot il me dure clairement 2 utilisations. Alors c'est une détox, on la fait pas tous les 3 jours. Mais le pot me dure 2 utilisations, donc non, je ne rachète pas trop souvent. J'en avais repris un pot la dernière fois, je vous avais dit, à l'occasion de je sais plus quoi, il y avait eu des promos. Où il y avait eu Les Secrets de Loli sur Shoes, un truc comme ça, j'avais repris un pot, c'était en éduc. Et là, bah pour le coup, j'ai eu les 2 pots pour le prix de un seul, donc c'était tout bénef. Et c'est un produit que j'adore ce produit, vraiment, il est trop trop bien, si vous avez l'occasion, testez-le. Et pour finir, j'ai pris 2 colorations végétales de la marque Caddy. Vous savez que moi, j'adore la marque Caddy et j'adore leur coloration végétale. Alors, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, je ne sais plus si c'est sur Insta ou si c'est sur YouTube, je ne retrouve plus le message, en me disant « j'aime beaucoup ta couleur de cheveux, qu'est-ce que tu fais comme coloration végétale ?» Attention, ma couleur de cheveux est 99% naturelle, c'est ma couleur de cheveux. Je fais juste de temps en temps des masques aux poudres et tout ça qui, à mon avis, viennent dorer ou cuivrer un tout petit peu ma couleur naturelle de cheveux. Et genre tous les 3, 4, 5 mois, je fais une coloration végétale Caddy, blonde. Alors soit je fais du blond clair, soit je fais du blond moyen, soit je fais du blond doré. Sachant que les colorations végétales blondes ne vont pas vous rendre blonde. Elles vont juste venir apporter des reflets dorés, un bon soin pour les cheveux, etc.
Personnellement, moi je vois que ça m'apporte du soin et des reflets dorés, mais ça ne me colore pas réellement les cheveux, et ça ne me colore pas les cheveux blancs. La personne cherchait aussi à couvrir ses cheveux blancs. Moi, je laisse poser 2 heures une coloration végétale Caddy Blonde, ça ne me couvre pas les cheveux blancs. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles laissaient poser encore plus longtemps et que ça couvrait un peu les cheveux blancs. Il y a une faible quantité de henné naturel dans les colos Caddy Blonde, donc c'est ça qui doit venir couvrir, mais moi ça ne me les couvre pas. Je le fais surtout parce que j'aime beaucoup les reflets que ça apporte, et parce que c'est un très bon soin, mais ça vient juste, entre guillemets, sublimer ma couleur naturelle. Ça les colore pas. Sachez qu'en naturel, le blond, c'est quasi impossible à avoir. En fait, si vous avez déjà les cheveux clairs, vous allez pouvoir apporter des beaux reflets dorés, etc. Si vous avez les cheveux foncés, c'est mort. Ne cherchez pas à faire du blond en naturel, ce n'est pas possible. Puisque pour avoir du blond sur une base foncée, il faut dépigmenter les cheveux. Jamais vous trouverez ça dans le naturel. Et c'est pareil, pour couvrir des cheveux blancs, dans une couleur qui soit claire, c'est-à-dire qui ne soit pas brune, marron, chocolat, etc. Dans le naturel, hormis le roux, il n'y a pas beaucoup de solutions. Couvrir ses cheveux blancs en blond dans le naturel, c'est quasi impossible. Sachez-le. Voilà, après, je vous dis, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient posé longtemps les colos Caddy et que ça avait fait un résultat assez convaincant. Moi, non, ça ne m'a jamais couvert les cheveux blancs. Après, j'en ai pas encore 12 000, j'en ai, ça commence à se voir. Pour l'instant, je vis avec. Mais voilà, j'aime bien faire des colos Caddy de temps en temps, je les trouve d'excellente qualité. Et donc là, j'ai repris une coloration végétale Caddy blond doré et une coloration végétale Caddy blond clair, ce sont mes deux préférés. Les compos varient un tout petit peu. Voilà ce qu'ils vous disent par exemple. Sur une base blanche, vous faites cette coloration, ça va vous donner ça. La deuxième, c'est sur une base blonde foncée, vous faites une coloration, ça va juste venir sublimer en faisant... Ça, s'il vous plaît, le focus là-dessus, merci. Je me cache. Et si vous faites une coloration sur une base foncée, voilà ce que ça va vous donner. Ça va pas vous donner du blond, ça va vous donner des reflets dorés sur une base foncée. Pourquoi est-ce que j'alterne entre blond clair et blond doré? Parce qu'en fait, j'aime bien les deux. Et que j'ai pas envie de foncer mes cheveux parce qu'ils sont blonds, mes cheveux à la base, blond foncé, châtain clair. Si je prenais du blond moyen ou du blond foncé, ça pourrait venir foncer un petit peu, c'est pas le but. Donc voilà, je prends les deux, j'aime bien les deux. Il y en a une qui a... Elles n'ont pas toutes les deux les mêmes... la blond clair a beaucoup plus d'ingrédients que la blond foncé. Il y a de l'indigo, il me semble, dans les deux pour venir neutraliser un petit peu les reflets roux. C'est simple, dans la blond dorée, il y a du cassia, donc c'est du henné naturel, de l'indigo... Du cassia, c'est du henné neutre, de l'indigo, du henné naturel et du curcuma, c'est tout. Et dans la coloration blond clair, il y a du henné neutre, une poudre dont je ne sais pas ce que c'est. Il y a plusieurs poudres dont je ne sais pas, je connais pas les noms en latin. Il y a plusieurs poudres. Il y a de l'indigo, il y a du henné naturel assez loin dans la compo, c'est logique puisqu'on cherche pas à colorer en roux. Encore des poudres de plantes, de l'aloe vera. Voilà. Je peux pas vous dire le nom des poudres parce que là, pour le coup, c'est vraiment des trucs que je ne maîtrise pas en latin. Mais ce sont des très très bonnes colorations qui sont vegan, cruelty free et certifiées BDIH, qui est un excellent label allemand. Et moi, je vous recommande ces colorations qui existent dans plein de couleurs. Si vous voulez vous tourner vers les colorations végétales, elles sont vraiment d'excellente qualité. Donc avec mon Tropical Detox, je suis refaite, et mes autres produits aussi, c'est très chouette. N'hésitez pas à aller soutenir Souila, s'il reste encore des produits sur sa boutique. Moi, ça fait longtemps que je vous en parle de sa boutique, hein, depuis des années, vous savez. Voilà, c'était le petit point naturel, et je suis passée au point relais tout à l'heure. Et je suis allée chercher un colis déposé, des colis Vinted aussi. Déposer des colis Vinted et chercher un colis puisque j'ai racheté à Eve, donc Atelier EV3, anciennement Bobine et Pelote, un magazine, vous savez, elle a fait un déstage de ses bouquins de tricot et elle revendait un magazine dont j'avais loupé la publication, la parution, et que j'étais très contente de pouvoir trouver en déstage. Alors je vais vous en parler parce que j'ai envie de partager ça avec vous, mais c'est un magazine que vous ne pourrez pas retrouver, hormis de seconde main comme moi, je l'ai fait. Et voilà. Donc c'est le magazine Voulez-vous, qui est un magazine publié par Marie-Amélie Designs,
Il me semble que c'était... Bah, c'était en 2019. Voilà, en 2019. Et... attendez, est-ce que vous verrez ça? Ah, voilà, le point est mieux ici. Donc, c'est le magazine Voulez-vous de Marie-Amélie Designs, mais pas... Enfin, c'est elle qui a chapeauté la publication, mais c'est pas entièrement... C'est pas du tout entièrement d'elle. C'est la première édition qu'elle a faite. J'avais loupé, j'avais... En fait, j'avais pas commandé. Elle me dit, est-ce que je prends, je prends pas, 2019. Ah bah, 2019... Non, bah, je l'avais pas pris parce que je crois que je tricotais tout juste à peine à cette époque-là, 2019. Donc, je l'avais pas pris. Pourtant, j'avais vu, il me semble que je suivais déjà Marie-Amélie, tout ça. Je sais plus. Et bah, forcément, c'est publié en auto-édition. Donc, forcément, c'est en quantité limitée. Et l'année d'après, ou l'année... Non, ça devait être l'année d'encore après, puisqu'il y a eu le Covid entre deux. C'était plus Voulez-vous, c'était Slou, vous savez, le magazine dont je vous ai déjà parlé, dont j'aime énormément de modèles à l'intérieur. Et il devait y avoir, je crois, une troisième édition l'année dernière, mais étant donné que Marie-Amélie a fait un burn-out, il n'y a pas eu de troisième édition, et jusqu'à présent, je crois qu'il n'y en aura pas. Je suis très contente de l'avoir pour compléter ma collection, et il y a quelques modèles que j'aimerais faire à l'intérieur, donc je vous montre ça. Alors, je suis navrée si... Si ça vous frustre parce que vous ne pouvez pas le trouver, mais cherchez. Si ça se trouve, il est encore en dépôt dans quelques merceries. Si ça se trouve, il y a des gens qui le revendent de seconde main. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup ce premier modèle que je vais rajouter dans mes petits papiers, ça c'est sûr. C'est le gilet Gilles de Aurélie Lapoule, qui est un gilet. Alors, peut-être que maintenant, ces modèles-là sont en vente sur Ravelry. Effectivement. Vu que ça fait plusieurs années, c'est possible que les créateurs aient récupéré leurs droits et aient mis en vente les patrons. Donc ça se trouve, vous pouvez le trouver. Le gilet Gilles, j'aime beaucoup. C'est un grand gilet col-châle. Le col est en point mousse. Et regardez le dos. Il est très beau. Le dos du gilet. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de gilet. Je vais me laisser tenter. Je vais le rajouter dans mes petits projets que j'ai envie de faire. Voilà, ça c'est le premier patron qui est dispo. Ensuite... Le deuxième patron est un patron de Elong avec Anna, qui s'appelle le Cocoon. Il est très beau. Alors lui, je ne pense pas que je le rajouterai dans mes petits papiers parce que c'est un pull tout simple, mais je sais que j'ai un patron de pull tout simple bah, dans mes livres, si jamais je veux tricoter un pull tout simple. Il est très beau. Il est, ouais, il est très très beau. Ensuite... il y a un pull pour homme qui est designé par les tricoteurs volants. Je ne connaissais pas ce ou ces designers. C'est, il s'appelle Fade to Grey. Et donc, bien entendu, je ne vais pas le mettre dans mes petits papiers. Mais je le garde sous le coude un jour pour éventuellement faire un patron pour homme. Il est original. J'aime bien. Il est original. Je trouve chouette. Ensuite, il y a un autre duo de patrons que, pareil, me plaît pas plus que ça, mais ça fait un autre duo de patrons, je sais, qui est dispo si besoin. C'est un duo bonnet-mitaine qui s'appelle Sève et Écorce, designé par Lucille Atelier Designs. C'est tout tricoté sur du jersey en vert. Bon, je suis pas hyper hyper fan, en plus je suis pas fan de cette couleur, c'est peut-être ça qui joue aussi, mais voilà ce que ça donne. Ensuite... Il y a un châle que je trouve assez beau, je ne sais pas si je le ferai parce que c'est une forme demi-lune. Et vous savez que moi, la demi-lune, ça me convient pas des masses. C'est le châle Yule, designé par Nadia Crétin, les chaînes NCL Knits. Est-ce qu'on le voit mieux ici ou là? Ah, on le voit mieux ici, voilà. Voilà le châle Yule, il est très beau. Mais s'il avait été triangulaire, je l'aurais sans doute rajouté dans mes papiers. Là, il est en demi-lune, c'est vraiment pas les châles que je porte le plus. Ensuite, il y a un pull qui est très beau aussi, de Nell, qui est le pull Chardon. Ou est-ce qu'on dit Chardon, du coup, vu qu'elle a mis un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est pas un tilde, je ne sais pas ce que c'est sur le A. Il est beau, je ne vais pas le mettre pareil dans mes favoris, parce que c'est pas nécessairement un pull que je me vois porter. Mais il est très beau, je le garde en backup, voilà, dans ma petite tête pour m'en rappeler. Il est très très beau. Ensuite, il y a le châle Passiflore de Marie-Amélie Designs. Alors, il y a deux designs, je crois, de Marie-Amélie dans le bouquin. Je ne sais pas s'ils sont dispo sur Ravelry gratuitement, vous savez, comme elle a mis tous ses patrons gratuits, ou si ceux-là, on ne peut pas
les télécharger. Je crois que c'est ça. Je crois que ceux-là, on ne peut pas les télécharger et que c'est marqué faisait partie du livre truc. Ce que je comprends aussi, qui est parfaitement logique. Lui, c'est une étole que je trouve très très belle. Et j'étais en train de réfléchir à faire une étole pour ma maman pour Noël prochain. J'ai acheté un modèle de je sais plus qui sur Ravelry qui est très très beau avec des fleurs mais qui me paraît vraiment très long à faire. C'est de la fingering et tout ça. Et je m'étais pas encore lancée, j'ai pas encore acheté la laine ni rien parce que j'hésitais. Et je me dis que cette étole là, elle serait peut-être carrément chouette. En quelle épaisseur de laine ça se tricote? Déca. Voilà, donc je pourrais acheter de la déca. Alors je sais pas ce que je lui prendrais, peut-être... Faut pas prendre beaucoup plus fin que de la déca, parce que sinon elle serait moins large et je pense que ça lui plairait moins. Après c'est du point mousse, ça se détend. Ou alors peut-être tricoter en alpaca de drops, en aiguille 4. Ça ferait quelque chose de très vaporeux, peut-être que ça lui plairait. Faut que je réfléchisse. Mais je pense que je vais me tourner vers cette étole pour lui faire pour Noël. Donc c'est l'étole. Je vous ai même pas dit le nom, je crois. Ou peut-être que si, je ne sais plus. Si. Passiflore. Et voilà à quoi elle ressemble. Et je trouve ça très très beau. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ma maman ne mettrait pas un châle en tant que tel. Mais je sais que l'hiver, elle met sur son manteau une sorte de grande étole qu'elle a en tissu rouge. Alors je lui ferai pas en rouge, je lui ferai plutôt peut-être en coloris gris, ou parce que son manteau est rouge et donc gris ça irait bien avec le rouge, mais je pense que ça pourrait lui plaire. Après faut trouver, je pense que si c'est trop épais elle ne le mettrait pas, mais en or ou en alpaca, même si c'est de la fingering tricotée genre en 3,75 ou alors faudrait que je trouve un autre fil. Si vous avez une idée de fil, dites-moi, je sais pas. Parce que vous voyez, je pensais à la Charisma ou à la Lima, mais je pense clairement qu'une étole comme ça en Charisma ou en Lima, elle va trouver ça trop... Surtout en Lima, elle va trouver ça trop épais. Elle va trouver ça trop épais, elle va trouver ça que ça fait trop grosse écharpe, etc. Je pense qu'elle mettrait pas. Oui, je sais pas, à réfléchir. Ensuite, il y a des chaussettes, les chaussettes volutes parfumées de tisserin coquet, et elles sont magnifiques et elles vont finir dans mes petits papiers, c'est certain. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc elles sont très belles, tout à fait dans le style de chaussettes que j'aime bien, avec de la dentelle. Et pour finir, je crois que c'est le dernier patron, oui c'est ça. C'est un gilet de Marie Amélie Designs que j'aime beaucoup aussi et qui va lui aussi finir dans mes petits papiers. C'est le gilet, comment s'appelle-t-il? Céropédia, si ça se prononce comme ça. Et voilà à quoi il ressemble. Et il est très beau, j'aime beaucoup beaucoup sa forme col châle, sa longueur évasée, franchement sur des robes je trouve ça absolument canon. Je pense qu'il se tricote en fingering, à mon avis, vu la tête qu'il a. Alors, laine... Ah non, déca. Ah, on dirait pas. Et là, je pense qu'il faut clairement un mélange avec de la soie ou avec de l'alpaga pour avoir un joli tombé, à mon avis. Comment l'a-t-elle tricoté? Elle a pris 100% BFL. En tout cas, il est très très beau. Il est vraiment très beau. Et ouais, clairement direct. Et il me semble que je l'avais déjà repéré sur Ravelry, mais que du coup ça faisait partie des patrons que l'on ne pouvait pas télécharger, puisque bah disponible dans un livre. Voilà. Voilà pour les patrons du Voulez-vous. Je suis très contente d'avoir pu le racheter à Eve. Donc ça fait un livre de plus dans ma collection de tricot. Bon, la patrie est morte, et en plus, mais j'ai tellement parlé, vous allez me tuer cette semaine. On se retrouve samedi pour faire le bilan tricot de la semaine. Et ou peut-être demain pour les vidéos. Donc je sais pas, on verra. Allez, à plus tard. Hello, on est samedi midi, et je viens clore ce vlog, et c'était pas gagné, parce que ma matinée a été ponctuée de choses que je n'avais pas du tout prévu de faire, et que je n'avais pas envie de faire, mais nous avons un dégât des eaux dans mon immeuble, à mon étage, et on ne sait pas encore exactement d'où ça vient, si ça vient d'un tuyau d'un appartement, de la gaine technique générale ou quoi. Bref, il a fallu gérer ça avec les voisins ce matin, évidemment, le syndic est fermé le week-end.
Je me suis dépatouillée pour vérifier où se trouvaient tous mes robinets d'arrêt pour fermer l'eau quand j'en ai pas besoin, parce que si jamais ça venait de chez moi, bah autant que ça ne coule pas en dessous et que ça ne me fasse pas dépenser aussi plein d'eau et que ça ne gâche pas plein d'eau. Enfin bref, il a fallu gérer des appels téléphoniques, des conversations, des machins, prendre des photos, faire des mails, enfin... On adore, ça ne s'arrête jamais, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. J'ai déjà commencé à monter ce vlog, et j'en suis déjà 1h30, vous allez me tuer, vous allez encore râler que c'est trop long, que gna 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 gna, vous n'avez pas le temps, bah écoutez, tant pis, c'est comme ça. Donc on va essayer de conclure pas trop dans les grandes largeurs aujourd'hui. Sachant que je voudrais vous montrer du coup mes avancées tricot, que je voudrais vous parler d'un patron qui est sorti, ou deux je crois, et des dernières vidéos que j'ai regardées avant de vous laisser pour aller monter ce vlog, parce que si vous le voulez demain, va falloir que je continue rapido le montage. Mais dites donc, que remarquez-vous? Ne serait-ce pas un gilet bourgeon d'avril qui est terminé? Je l'ai enfilé exprès pour vous tout de suite. Il n'est pas lavé, j'ai fini la bande d'encolure tout à l'heure, là, ce matin, en me levant, il me restait genre 15 mailles à faire, donc je l'ai fait. C'était tellement long, Ce gilet, vous pouvez le faire, il est très sympa, mais c'est le gilet qui met à l'épreuve votre patience. Voilà, clairement, je n'ai jamais fait un projet qui m'a demandé autant de patience. Je pense que ma couverture en jacquard me demandera au final peut-être moins de patience que ce gilet. Je vais le laver juste après. Bon là, pour le coup, je vais pas le laver puisque momentanément, on a coupé l'eau. Donc, je vais le laver tout à l'heure quand j'aurai récupéré l'eau. Bien sûr, il va prendre sa jolie forme, la dentelle va s'écarter un peu. J'espère qu'il va s'allonger un tout petit peu, mais qu'il va pas trop s'élargir, parce qu'au niveau de la largeur, il est comme... je sais pas ce que vous verrez, mais il est comme j'aime au niveau de la largeur. Il est bien... Bon, tous les fils sont rentrés, mais évidemment... évidemment, je ne les ai pas coupés, je les coupe toujours après le lavage. J'ai la bande de côte, là, qui a tendance à rebiquer. Donc, au lavage, j'espère que ça va se mettre bien. Il est de la bonne longueur dans le dos, pile poil comme j'aime. Par contre, devant, vous voyez, je trouve que la bande d'encolure, ça le fait... Vous voyez, on voit, clouc, que ça remonte. Normalement, je pense que ça va se mettre, d'autant plus que c'est du jersey double, ça s'étale un peu, et on a tricoté cette bande avec des aiguilles bien plus grosses que le gilet. J'espère juste que ça va pas rebiquer, ça va m'énerver, sinon... Voilà, mon premier bouton, il sera purement décoratif, parce qu'il est beaucoup trop bas. Mais je vais le mettre quand même, et de toute façon j'ai pas de boutonnière tout en bas parce que je m'étais foirée, j'avais pas compris les instructions, et de toute façon elle aurait été bien trop basse. Donc ma première boutonnière est là. J'ai un peu upgradé les boutonnières en rentrant les fils, parce qu'en fait on doit couper les fils pour chaque boutonnière, c'était un peu relou. Et j'ai fait un peu des petites tours tout autour, je trouve que ça rend très joli. J'espère juste que les trous seront pas trop gros, mais ça rend joli et ça ne... Ça solidifie un peu, parce que normalement, c'était accru au milieu du jersey double. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que sur mon t-shirt jaune, là, que j'ai mis exprès, ça rend vachement bien. Je pense pas, de toute façon, que c'est un gilet que je porterai fermé, même si, une fois qu'il sera bien... Enfin, il va s'agrandir, il peut être fermé. Je pense pas que je le porterai fermé, parce que c'est le genre de gilet que moi, je porte quand il fait beau et que je porte ouvert. On voit la dentelle. Elle va s'élargir un peu au blocage, j'espère que ça va... Là, mes manches, vous voyez, elles sont un peu larges ici, mais ça va. Faudrait pas que ça prenne trop d'ampleur. Est-ce que j'ai rentré les fils correctement, là? Ça m'énerve, il faut absolument que je regarde des vidéos sur YouTube de Clos Tricot ou autre sur comment ne pas avoir de trous sous les bras, parce que c'est insupportable. Moi, j'aime quand c'est nickel, et là, vous voyez, je sens... J'ai l'impression de sentir que c'est pas nickel. Enfin, bref, je l'ai mis juste pour vous. Là, on voit un peu la dentelle, ouais. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que ça va être un superbe basique pour les beaux jours, là, vous voyez, noir sur tous mes trucs d'été un peu colorés comme ça, là j'ai mis sur un petit débardeur à froufrou, là, mais franchement, ça va être bien nickel, je crois que le patron sortira en avril ou en mai, je sais pas exactement, je vous dirai, tous mes fils, alors... J'avais pas laissé énormément de longueur de fil pour les boutonnières. J'espère donc qu'avec le temps, ça ne va pas se défaire parce que j'ai pas pu rentrer énormément les fils et c'est de l'alpaga soie. Ça glisse. Je vais essayer de pas... Enfin si, je vais être obligée de couper à ras, sinon ça va se voir. Ouais, bon, on va croiser les doigts pour que ça ne se défasse pas. Je vais pas couper trop à ras, mais je vais couper quand même.
J'ai bien placé mes petits machins pour les boutonnières. Bref, je suis contente qu'il soit terminé. Si vous saviez comme je suis contente qu'il soit terminé, enfin, ce truc. J'en avais marre. Et pour le coup, il est bien. Il est vraiment bien. Je ne regrette pas de l'avoir fait en noir, je vous l'ai dit, parce que ça va être vraiment un basique. Si je l'avais fait en jaune, vous voyez, ça aurait été beaucoup plus dur à porter, par exemple. Mais est-ce que je le referai? Non, non, non. La seule chose que je vous ai dit que j'espère, c'est que je vais bien tirer la bande de boutonnage pour l'égaliser, parce que là, je vous dis, ça remonte, et je trouve pas ça terrible. Avant de vous parler de mes autres bilans tricot, ça c'est un bilan réussi, c'est un challenge réussi. Je l'ai commencé toute fin octobre, hein, ce truc-là, bon, même si je l'ai laissé en plan pendant un temps. Et l'avantage, c'est que l'on ne voit pas, j'ai une ou deux erreurs, je crois, dans la dentelle, mais comme c'est noir, on ne voit rien. Voilà, franchement, je trouve que il est sympa. Et je me suis pété un ongle en bricolant tout à l'heure, et c'est pas grave, sauf que ça s'accroche dans la laine, et ça, c'est grave. Faut que j'aille limer ça tout à l'heure. Bref, avant de vous parler de mes autres petits challenges tricot de la semaine, je voulais juste vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Il y a deux patrons, je me pousse un peu, je vous les mets là. Il y a un châle en jacquard qui est joli. Alors, je pense pas que je le ferai, mais il est joli. Il me fait penser un peu à de la tapisserie. C'est le châle et les bords de Maric Fillon, qui doit être long à tricoter, mais qui est très sympa. Après, je sais pas ce que donne l'envers de ce genre de pièce. Le jacquard sur les châles, ça me laisse toujours un peu dubitatif, parce que un châle, ça se retrouve très vite sur l'envers quand on l'entoure. Est-ce que c'est pas moche du coup sur l'envers, quoi? Il y a Audrey Borrego, donc Yarnflex, qui a sorti le pull Félise, qui est sympa. Alors pareil, c'est pas un pull que je ferai parce que très proche du cou, avec juste un peu de texture en maille torse sur le côté, mais il est très élégant, il est joli. Et au niveau des vidéos que j'ai regardé le vlog, je ne sais pas combien, de Margeva. Encore une fois, c'était très très chouette. Elle est très chouette, Margeva. MG, je vous l'ai déjà dit, je te fais des bisous si tu passes par là, j'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast 79 de Cécile, Que font mes mains, et c'était très chouette, elle nous a emmené sur une semaine créative avec elle, c'était vraiment chouette, elle fait de la couture, elle coud extrêmement bien, je suis jalouse, et je suis de la même team qu'elle, la team, j'ai pas de taille et j'ai pas de hanche, voilà, je compatis à 3000%, Cécile, et c'était vraiment sympa. C'est vrai que j'ai pas toujours le temps de regarder ces épisodes, mais globalement j'essaie de le prendre parce que c'est toujours très qualitatif. Et pour finir, j'ai regardé le vlog 5 de Mathilde Tricote, et c'était très sympa comme dame Mathilde, avec sa philosophie du tricot sans prise de tête, j'ai beaucoup aimé. Elle hésite entre deux projets, moi je lui ai dit de monter les deux, mais bon, je suis un peu folle. Ah là là, que voulez-vous ? Voilà, et il y a plein de trucs que j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard, parce que j'ai découvert de nouvelles chaînes, parce qu'il y a de nouvelles chaînes qui se sont montées, parce que YouTube m'a suggéré des trucs, sauf que là, pour l'instant, et bien j'ai pas le temps de tout regarder, fatalement. Mais dès que je regarderai des trucs, je vous en parlerai. Pour clore sur le bilan tricot, donc challenge numéro 1, finir cette putain d'encolure. C'est fait. Franchement, j'y ai passé toutes mes soirées de toute ma semaine. J'en pouvais plus. Et vous savez quoi? Sur le gilet RISP, c'est aussi une bande d'encolure en jersey double. Mais c'est de la déca, donc il y aura moins de mailles. Enfin, je suis pas sûre qu'il y aura moins de mailles, parce que là, au final, on n'a pas relevé une maille pour une maille, et on a tricoté avec des grosses aiguilles. Je crois que chez Élise, on relève une maille pour une maille, et on tricote avec des petites aiguilles. Bon, on verra bien, j'en suis pas encore là. Je vous avais dit que je voulais avancer sur ma marinière fait pas ci, fait pas ça, et que je voulais finir ma pelote de nord sur le corps et avancer une manche. C'est une demi-réussite, un demi-fail, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Je n'ai pas monté de manche, j'ai pas eu le temps. Il faut absolument que je m'active à commencer ça ce week-end. Par contre, j'ai fini ma pelote de nord sur le corps. Alors, je sais que vous ne verrez pas grand-chose, because... Eh bien, mon câble est tout petit, mais... Faut que je fasse gaffe, que je vous l'ai dit, avec ces boules-là de chez Yaya, les mailles ont tendance à passer par-dessus. Et du coup, je vais perdre des mailles. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher, je pense. Oui, il y a un nœud, là, ça ne va pas. Que se passe-t-il? Je vais faire un nœud avec mon fil pour joindre les deux câbles, parce que j'ai trop peur que ça se barre.
Et on ne peut plus acheter les petits pandas yaya, et ça c'est vraiment la dôme, parce que, bon, si j'avais pas 12 000 projets à la fois, j'aurais assez de petits pandas. Le problème c'est que j'ai 12 000 projets à la fois, et que donc je n'ai pas assez de pandas, et que c'est vrai que j'ai tendance à les réserver pour les projets en plus grosse laine, parce que plus la laine est grosse, plus les petites boules là servent à rien du tout, et les mailles passent au-dessus. Alors voilà ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud autour de... mais de mon câble, voilà, comme ça, j'espère que ça suffira. Bref, donc j'ai fini ma pelote, et ça me fait quand même ça sous les jambes en chure, ce qui est pas mal, hein, ce qui doit être, j'en sais rien, 10 cm, peut-être. Donc c'est pas mal, mais maintenant, il va falloir que j'avance les manches, parce que mine de rien, la fin du test va arriver vite. Et je suis pas particulièrement en avance, voilà. Et pour ce qui est du gilet... du gilet RISP, je vous avais dit que mon objectif c'était d'avancer le plus possible sur le corps, et c'est chose faite, j'ai fini le corps du RISP, donc je suis bien contente. Il est long comme j'aime, lui, j'espère qu'il va pas trop prendre en longueur au blocage, parce qu'il est long comme j'aime, et encore, je crois que j'ai fait moins de côtes que ce qu'elle disait, je crois que j'ai fait 2 ou 3 cm, attendez, je peux vous le dire, de moins de côtes que ce qu'elle disait, mais je trouvais que c'était énorme le nombre de côtes qu'elle disait, et je trouvais que déjà ma longueur de côte là, ça faisait pas mal quoi sur le gilet. Alors, c'est prévu avec des grandes côtes, mais j'ai carrément fait... ouais, c'est ça, j'ai fait 3 cm de moins de côtes que ce que préconisait, et vous voyez, j'ai déjà quand même tout ça de côtes. Je peux vous l'enfiler si vous voulez. Puisqu'il n'y a plus d'aiguille qui pend, puisque ce truc-là a fini, oui, voilà, voilà. Et attendez, alors avec mon débardeur jaune, je suis pas sûre que ce soit très saillant, mais, alors on est sur un pull plus large, hein. Il n'y a pas la bande d'encolure évidemment, mais on est sur un truc qui aura un peu plus d'aisance, et vous voyez au niveau du tombé, il est déjà long quoi. Il est déjà long, mais il est long comme j'aime, et c'est un pull, un gilet en déca, donc lui c'est plus un gilet que j'aurais l'opportunité de porter fermé. Voilà ce que ça donne. Les emmanchures sont assez basses, mais c'est normal. Eh bien, ma foi, c'est une affaire qui roule. Bon, bien sûr, avec l'encolure en jersey double, ça sera mieux. Mais ma foi, je suis contente. Je suis contente de ce gilet RISP qui avance. Au final, je trouve que mon dégradé est un peu trop tranché, genre c'est foncé en haut et clair en bas. J'aurais aimé ici, là, avoir un rose un peu moins tranché, mais c'est pas grave, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien, même si au final, mon rose et mon rose très clair sont... enfin, mes deux couleurs claires sont trop proches, je trouve. Mais bon. En fait ça rendait bien comme ça, et une fois avec la laine je trouve que c'est trop tranché. C'est pareil en photo, ce rose là ne rendait pas du tout, il ressortait pas, et au final il ressort bien. Je ne sais pas, voilà ce que c'est. Ça va être un gros gilet un peu large, un peu doudou, donc voilà pour le RISP. La mission est remplie. 14 minutes que je parle, c'est déjà beaucoup trop. Je vais vous laisser ici, je vais aller faire le montage, on va être pas très loin de 2 heures, vous allez me guillotiner, tant pis. Vous avez bien du courage si vous êtes resté jusque là. Je vous embrasse. Passez un bon week-end, plutôt une agréable... oui, j'ai pas repassé mon truc en sortant du placard. C'est le genre de pièce que j'ai pas ressorti. Je l'ai sorti juste pour la vidéo, là. Je vous souhaite un agréable week-end, une belle semaine. Merci de m'avoir accompagné encore dans une vidéo. Prenez bien soin de vous, c'est important. Moi, je m'en vais donner le bain à ce gilet et régler ses problèmes de dégâts des eaux, si tant est que je puisse faire quelque chose ce week-end, pas grand chose à mon avis, puis même je peux pas faire grand chose moi toute seule. Bref, c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement je filmerai peut-être demain pour vous donner mes objectifs créatifs de la semaine, et sur ce, eh bien, je vous dis